Non, vaut mieux qu'il n'y ait pas la musique pour la vidéo, en tout cas. Bien bonsoir, mes amis européens, bien bien bonjour à mes amis canadiens, québécois et américains, bien sûr. Je souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de GTA RP sur Osiris en compagnie de Monsieur Anthony McFly, toujours médecin et PDG de LSMS Los Santos. Bon, pour ceux qui ont suivi les histoires d'hier, deuxième mort LSPD en 24 heures. Le premier était de Monsieur Kenpachi que j'ai rendu hommage à la fin du stream hier soir. Et il y a eu aussi la mort provoquée par le petit gang de John Wick et de Monsieur Bigman. J'en faisais partie aussi, j'étais témoin de la scène, donc on va dire que je suis considéré comme un complice. Ah ouais, par contre j'avais oublié de mettre de l'argent. En parlant d'eux, on va rire. Bah écoute, on verra bien. Ouais, je prends pas mon service, ça sera compliqué pour aller dans le coffre. Voilà. Bon. Le rituel, bien sûr. Par contre, mes commandes ne sont pas arrivées, donc ça. Ah oui, je tiens aussi à remercier. J'espère qu'il soit connecté ce soir. Donc à Linkit. Désolé pour le pseudo mal dit. Pour qui est donc le 81e follow de ma chaîne. Donc merci à toi, je te fais le geste. Et donc mandat c'est fait, medikit c'est fait. On va quand même aller mettre de l'argent en banque, parce que faut dire j'ai quand même 5 000 $ sur moi. Ce qui est énorme. J'ai complètement zappé de remettre en banque. On va vérifier par contre le téléphone. Ah oui, aussi le téléphone, il faut que je note le numéro de Monsieur Doudou. Quand on fait retour à Péta, ben ça par contre, je pense que... Je ne saurais pas te dire si j'ai jamais eu de retour à l'hôpital, mais je pense que peut-être... J'ai bien dit. Peut-être on perd tout. Je sais pas comment ça se passe sur le serveur ici. Bon, attendez, je note juste le numéro. Ok, 59, 48 et 76. Donc 76. Ah bah si on ne perd pas, bah, tant mieux. Donc bah, c'est bien ça. Donc on va noter son numéro. Donc nous, c'est Doudou. Donc Mamadou. Le numéro c'est donc 06 42 59 48 et 76. Si j'ai bien noté, normalement ça devrait être mentionné, c'est bon. Parfait. Donc ici nous allons aller voir s'il y a des nouvelles candidatures. Quand je vais vérifier mon son de mon côté, voilà, mon son ne devait pas changer par rapport à hier soir. Nous allons voir ça et puis après on va faire. Ah, par contre, je sens mal. Je sens que l'ascenseur va me faire des siennes. Ouais, donc ça sent une petite déco. Oula. Ouais, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Désiré? Oui, je venais vous voir parce que bah, d'une part, on m'a dit de me présenter un peu partout hier, donc je passe en visite de courtoisie, on va dire. Ouais. Je me présente, je suis Edson, j'exerce le métier de détective privé. Et ouais. On m'a dit de venir vous voir pour une visite médicale pour ce qui concernerait un permis de port d'armes. C'est exact, oui, c'est pour, oui, c'est pour le On permis m'a bien d'armes. informé. Oui, tout à fait. Donc, il y a une visite médicale à passer avec moi ou l'un de mes employés. Et en fonction de la D'accord. visite médicale, je le renvoie
au commandant du LA Speedy, donc Monsieur Park. Et après ça, normalement, D'accord. vous avez un rendez-vous qui est donc annoncé sur le Discord de la ville, qui fait que vous devez aller devant le commissariat. Et avec une D'accord. somme prévue, je sais plus de combien, mais avec une somme pour pouvoir avoir la formation, enfin Tout à fait pour la théorie et la pour pratique. la formation avec D'accord, parfait. Donc vous voulez passer tout de C'est très suite? bien. Ah bah si vous avez le temps, hein, si vous êtes Bah, écoutez, occupé, je le passe plus tard. je viens à peine d'arriver, donc si vous voulez, on va faire ça tout de suite. Par contre, je vérifie juste au niveau des candidatures, je vois s'il y en a Sans justement souci. dispo. Ouais, non. C'est calme, donc si Ah, vous voulez, malheureusement, au vous niveau pouvez venir. médical, j'y connais pas grand-chose, hein, donc vous aurez pas ma candidature. Ah, bah, vous savez, hein, on peut faire des petites formations, donc il n'y a pas de problème. Par contre, c'est possible que l'ascenseur fasse des siennes. Pour l'instant, sur moi, ça me fait des D'accord. siennes. Donc, normalement, si vous savez passer, tant mieux. Si pas, bah, il faudra faire le tour. D'accord, on va voir. Est-ce que ça fonctionne? Ah, ben, pour lui, ça fonctionne. Je vais voir s'il va revenir ou pas. Sinon, je vais faire le tour. Bah, écoutez, monsieur, vu que ça, chez moi ça ne fonctionne Écoutez, pas, je vais faire le tour. Donc, d'accord. attendez juste Eh en ben, je bas. vous attends, sans Voilà, tout à souci. fait. Tout à fait. D'accord. À tout de suite. Pas de problème. À tout de suite. Voilà, démontrer que l'ascenseur ne fonctionne pas, je peux pas faire mon. Voilà. Vous voyez vraiment faire le RP. Bon, le gars il sait descendre. Moi, non, je suis obligé de faire tout le tour. Tout le tour de l'hôpital. Et ça m'embête. Ouais, hop, ouais, un peu plus vite. Voilà, c'est bon. Voilà, dès que vous êtes dispo, D'accord. vous me suivez. On va faire ça Sans tout de suite. souci, je vous suis, je vous suis. Il n'y a pas tout de suite. Donc je vous tiens la porte. Je vous retiens la porte. Si Merci vous avez beaucoup. Bah, un peu c'est de gentil, dépêche. Hein. merci. Bon, C'est sûr. installez-vous si vous voulez sur la table qui ressemble. Et essayez d'imaginer un bon fauteuil confortable bien allongé. Vous y croirez comme sur un petit Tout nuage. à fait. Ou sinon, Je vois ce que vous voulez dire. Sinon, vous pouvez rester debout. Il n'y a pas de problème. C'est juste pour l'instant. D'accord, bah, je vais rester à côté de la table sans souci. Il n'y a pas de souci. Par contre, je vais juste sortir mon petit carnet, donc veuillez patienter. D'accord, sans problème, allez-y. Et puis je vais juste après régler un petit paramètre au niveau de ma corde vocale. D'accord, ok. Voilà, normalement c'est tout bon. Est-ce que vous m'entendez très bien? Parfaitement, C'est haut et parfait. clair, comme on dit. C'est parfait, ça fait plaisir. Bah écoutez, attendez, je vais juste prendre une nouvelle page pour la fiche médicale. Voilà. Parfait. Donc nous allons commencer donc par une chose tout à fait simple. Donc c'est nom, prénom, date de naissance, taille, poids, votre nationalité et votre métier actuel. Donc on va faire au fur et à mesure. Donc votre nom. Alors je suis nom de famille, on est d'accord, Oui, je commence par le nom. nom de famille, oui. Alors je suis... Il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi à cause de ça. Je suis Schlaghetto. Oula! Ah oui, Est-ce non, que vous on s'est pas pouvez mal moqué de épeler moi. lettre par lettre? Ah oui, je vous l'épelle, pas de souci. Allez-y. C'est S Oui. H Oui. L Oui. A G Oui. H Oui. E Oui. 2 T et Oui. un O. C'est un mot C'est un contre peu triple? long. C'est un mot contre triple, ça? Ah bah à mon avis, oui, vous pouvez gagner gros avec ça, hein. Y a moyen, y a moyen. Slaghetto, c'est ça. C'est ça, tout à Et fait. votre prénom, j'espère Je qu'il viens d'Amérique du est. Sud à l'origine. Ah oui, Ah, d'accord. il est court, ça va. Dites-moi, c'est quoi votre prénom? Alors je suis Edson, Edson. Très court, très simple. Edson. Oui, ça c'est. C'est déjà plus facile à noter, ça c'est sûr. C'est plus facile, oui, Voilà, toujours. tout à fait. Votre date de naissance? Alors le 13 Ouais. décembre 1982. Donc 82. Donc vous avez donc 36 ans,
Si je compte bien. C'est bien ça. Bientôt. Ah oui, c'est vrai, bientôt, vu que c'est le mois de décembre. Donc Ouais, tout à fait, ouais, non, mais on c'est va pas quand grave, même. je fais deux. On va quand même arrondir à 36, Oui, hein, vous vu pouvez qu'on est mettre pas proche. 36, oui, ça va arriver très vite, tout Il à fait. n'y a pas de souci. Vous mesurez combien? 1,78 m. 1m78 pour combien? Pour 85 kg. Ça va quand même, ça va. Vous portez bien, vous êtes bien. Ah bah, y a un petit peu de musculation hein, derrière, hein, c'est Ah le bah secret. oui, je sais, bah ça, j'espère bien. Vous êtes de quelle nationalité donc? Alors, j'ai ma nationalité américaine, sinon d'origine, je suis d'origine uruguayenne. Bah écoutez, on va mettre Americano, Uruguayen, Uruguayen. Comme ça rend hommage aux origines aussi, c'est Tout à pas fait, mal. tout à fait. De toute façon, ça fait partie de votre dossier médical, donc vaut mieux, Tout à comment fait. dire, rajouter au maximum d'informations sur votre profil. Sans problème. Votre métier actuel? Alors, mon métier actuel, je suis ben, en intérim, hein, donc j'ai fait des livraisons pour l'instant. Vous êtes livreur, intérimaire. Tout à fait. Ah ben Et justement, ben, sur. j'aurais bien une question. Oui? Parce que j'ai fait une Oui? demande de commande concernant des medikits et des bandages. J'ai toujours pas reçu. Ah bah ça, faut voir avec le grand Vous chef. faites déjà Malheureusement, je l'ai pas grève? encore croisé, si vous Vous voyez. faites déjà grève chez Ah, vous? ça vient pas de moi. Ah, ça Si, va. s'il y a grève, ça vient pas de moi, je vous rassure. Ah non, parce que c'est Et quand donc, même. sur le plus ou moins long terme, je Oui. compte monter aussi ma petite agence de détective privé. Si c'est nécessaire pour le dossier, vous pouvez le mettre. On va dire, on va parler juste de l'actualité de à Du présent, présent, voilà, du d'accord. présent. Donc pour l'instant, vous êtes libre. Après, maintenant, s'il y a des modifications à Tout à fait. faire, bah vous passerez à l'hôpital et on changera au niveau de l'informatique. Hein, vous inquiétez pas. Sans problème, d'accord. Donc ici, donc on a fait votre carte d'identité, on va dire de votre fiche médicale. Maintenant, nous Tout à allons fait, passer d'accord. à plus au niveau de votre santé, que ce soit au niveau des antécédents familiaux, de si vous buvez, si vous D'accord. faites du sport, etc., etc. Donc les antécédents, est-ce que vous en avez dans votre famille? Pas que je sache, pas que je le sache. Hein, Non, bah, je le mets donc néant. on D'accord. a plutôt, la santé. Bon, non, c'est très 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 bonne chose, très très bonne chose. Si Donc, vous voulez tout oui. savoir, la seule personne qui est décédée dans ma famille, c'est mon père, mais il est décédé, comment dire, par balle. Donc ça n'a rien à Ah. voir, il n'y a pas d'antécédent là-dessus. Du moins, j'espère qu'on n'a pas le corps aimanté ou un truc comme ça. Non, 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 mais en tout cas, je vous souhaite un sincère condoléance, un sincère et pur. Merci beaucoup, Même si on se merci. connaît à peine, mais bon, une mort ne fait jamais Ouais, plaisir non, il faut. à qui que ce soit. On est d'accord. On est d'accord. Donc, pas d'antécédent, donc je note néant. Est-ce que vous faites du sport? Je suppose que oui, puisque vous êtes assez Oui, costaud. tout à fait, je fais Dites-moi. un petit peu de musculation, je fais un peu de course à pied. Musculation et course à pied. Bah, c'est parfait tout ça. Bah justement, vous n'aurez pas envie d'être engagé au Lee Speedy parce que pour l'instant, je trouve que certaines recrues m'a l'air un peu mollasson. Donc, au moins qu'il y ait un exemple de sportivité en via une personne comme vous, quoi. À y penser. Eh ben, je vais y réfléchir, je vais y réfléchir, Sauf d'accord. maintenant. Si vous êtes contre la police, là, par contre, ça pourrait peut-être pas le faire. Mais voilà, je vous donne une idée, quoi. Je vous donne une idée. On va dire que je suis ni pour ni contre. Voilà, J'ai vous êtes pas vraiment d'avis neutre, sur eux. vous votez C'est blanc, ça. voilà, là, pas Ça de dépend des problème. fois, en fait, hein, ça dépend des fois. Tant qu'il n'y a pas d'injustice, on va dire que ça va, mais des fois, il est possible, enfin, je sais pas si c'est déjà arrivé. Dans la ville, mais il est Oui, possible qu'il fasse des erreurs, et là, ça me met un peu hors de moi quand il y a des erreurs, hein. J'aime pas Bah trop. écoutez, quand je vois qu'en Amérique, on a certaines personnes qui votent Donald Trump, des fois je me dis, ceux Ah qui ouais. votent blanc, c'est mieux. Bah, je vous cache pas que ceux qui votent Donald Trump, hein, ils m'attristent pas mal, hein, parce que moi, je Ah risque quand même gros, même si j'ai ma carte verte et tout ça. oui, bon, je fais pas partie de la police, donc même si vous dites que vous l'avez, moi, c'est plus votre santé qui m'intéresse. Bah non, si vous êtes en ordre de Tout à papier, fait. c'est impeccable. Ah, tout est ok, oui. Bon, dites-moi, côté boisson, est-ce que vous buvez, monsieur Slagedo? Keto, pardon.
C'est un ghetto. Oui, il n'y a pas de souci. Je voulais, ben, pour être honnête, Ah, faut toujours être honnête avec on moi. va dire, oui, je suis un buveur festif, on va dire, un buveur occasionnel, je pense Donc que une ça fois s'appelle par comme ça. semaine. Peut-être, oui, Une ou de deux. l'ordre, ben, ça dépend. Quand il y a quelque chose à fêter, quoi, on va dire que je suis pas Oui. après la boisson non plus. Oui, vous n'êtes pas journalier, vous êtes semestriel, quoi. Ah non, non. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est à l'occasion, on quoi. va C'est. noter une fois par semaine, donc on va dire le week-end, quoi. Donc une fois par semaine, donc ce qui est convenable. Côté, Tout à fait. à dire, c'est alcool pur, bière, vin. Ça, je ne rajouterai pas, mais c'est Alors, juste moi pour j'aime. savoir. Oui, moi j'aime beaucoup bah, sur les soirées, les événements comme ça, un petit cocktail, un petit truc Ouais, bah qui écoutez, sort un peu de l'ordinaire, on va. au moins il y a du fruit dedans. Enfin, il y a des fruits dedans. C'est bien. C'est ça, C'est c'est très bien. ça. Ça donne du goût. Oui, tout à fait. Et concernant la cigarette, cigarette, tout ça, est-ce que vous fumez ou pas? Alors, il m'arrive de fumer des cigarillos. Ah oui, c'est des petits cigares, c'est ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Du lord Vous de savez, ça se vend en combien? paquet comme les cigarettes. Oui, dites-vous, continuez. Oh, je dirais, dans les mauvais jours, j'ai de l'anxiété, parce que c'est souvent l'anxiété qui me fait fumer. Hein. On va dire que j'en fume, allez, pas énormément, hein, c'est 2 à 3 par jour. Bah écoutez, ce qui est très très bien, parce que je vais vous donner une petite anecdote. J'ai déjà rencontré des personnes dans la visite médicale qui fument entre 20 et 40 cigarettes par jour. Ah oui, il y a des accros, hein, Alors ça c'est clair. imaginez, vous faites 20 fois moins que ces personnes-là, voire même 10 fois moins que ces personnes-là. Donc je pense que c'est très raisonnable. Maintenant, c'est toujours mieux Oui, c'est le. de pan fumer. Donc je vais mettre Tout cigare. à fait. Ouais, les petits cigares, quoi. Comment vous dites encore des C'est cigares? pour des cigarillos. Des Vous savez, cigarillos. Oui. tout à Pardon. fait, I2LOS. Voilà. Ah oui, 2LOS. Ah oui, donc j'avais mis IOS avec AI. Ah oui, non, non, il n'y a pas de problème. Ah, faut faire rectifier. Ben, bon, je vérifierai au cas où mes fautes Tout à fait, d'orthographe. tout à fait, vaut Ben, mieux. donc, Il n'y a pas de problème. honnêtement, je trouve que c'est convenable. Maintenant, on essaye toujours de dire aux patients. Oui, il faut essayer que vous arrêtez de fumer totalement, mais bon, ça, voilà, Tout à fait. on peut pas refaire un monde non plus, hein, vous pouvez vous imaginer. Hein. Non, puis on a des boulots où des fois l'anxiété fait qu'on a besoin de se détendre un petit peu, quoi. C'est comme Bah, ça. vous savez, je préfère encore un patient qui fume qu'un patient qui prend des médicaments à plus en savoir en faire. Donc, et ça, Ah c'est oui, je vois encore ce que plus vous voulez dire. dangereux que la cigarette. Hein, ça, je vous dis, cigarette ou cigarillos. J'en ai connu des comme ça et c'est Ah. vrai que c'est vraiment pas génial. En général, ils finissent mal, hein. Et ils finissent un peu, on va dire normal, drogués, mais vous voyez, ils sont inertes, quoi. Ils sont des C'est zombies. ça, c'est ça. Des zombies, quoi. On est d'accord. Donc, concernant ça, bah, tout va bien. Maintenant, nous allons passer donc au test d'urine. Attendez, je note un petit Oui. peu comme ça, moi je fais au fur et à mesure. Donc, test d'urine, test de vite, très important, si vous voulez avoir le PPA, vaut mieux savoir viser. Tout à fait. Test à l'effort pour voir au niveau de l'effort, tout simplement. Mais je pense que, vu que vous êtes D'accord. sportif, ça devrait aller. Et un test, bon, on va dire, c'est pas forcément utile pour le porteur, mais c'est plus utile dans votre métier en général, ou que ce soit n'importe qui. C'est le test de myotactique, je sais pas si ça vous parle. Non, ça consiste en quoi? Ben, est-ce que vous connaissez, enfin, est-ce que vous avez déjà vu un médecin avec un petit marteau qu'on tape sur le genou? Et que ça fait justement Ah oui, tout savoir à le fait, oui, réflexe au niveau des jambes. pour Ben, le réflexe, là. voilà. Ben, écoutez, les réflexes, c'est tout bête, hein, juste le réflexe au niveau des jambes. Ben, il y a aussi voir le Oui. réflexe au niveau si vous esquivez les coups, tout ça. Voilà votre réaction. Tout à Si fait, le d'accord, muscle réagit déjà je assez vois. bien au niveau de vos jambes, je suppose qu'au niveau même, au niveau du reste, ça devrait aller. Et vu que vous êtes sportif, je pense Oui, que la ça va coordination, suffire. oui, tout à fait. Voilà. Vous avez sorti le mot qu'il fallait. Ben, écoutez, je vais juste ranger mon petit carnet. Alors. Parfait. Je vais le mettre dans ma poche, voilà. Et on va commencer par le test Parfait. d'urine. Donc je vais vous donner un petit gobelet. Voilà. Je vous le donne en main propre, donc remplissez à la moitié. Alors, les toilettes Oui. se trouvent. Vous prenez donc la porte vitrée, vous allez donc à droite, vous D'accord. prenez
Des doubles portes en bois. Directement à droite, il y a une petite D'accord. porte écrite toilette, tout simplement. Donc, vous pouvez y aller. D'accord. À tout de suite. Et je vous attends. Ouais, d'accord, ouais, soit, soit. Ah, vous êtes déjà là. Ah, bah, je vous rappelle en gobelet. Ah, bah, c'est parfait, J'espère qu'il vous en juste ce qu'il faut pas faut. forcément Non, non, vous une inquiétez pas, super d'ailleurs. grosse quantité, hein, parce que le stress fait que... Bah, écoutez, c'est très suffisant, donc, il n'y a pas de problème. Et à certains, Parfait. ils font bien qu'une seule goutte. Alors, c'est pas mieux, hein, Ah, ok. d'accord, ok, Là, ça va, il y a ouais. quand Oui, même ce c'est qu'il faut. problématique. On va quand même regarder. Oui. Ouais. Non, de ce que je vois, ça m'a l'air de bien clair. Attendez, déjà la couleur, oui, la couleur déjà là, oui. Et à l'intérieur, non, je vois rien de suspect. Donc, ah, je note, test d'urine. Ok, donc, je jette, bien sûr, ce qui reste dedans. Donc, nous allons passer au test de vue. Donc, venez me suivre, c'est juste à côté. D'accord. Donc, vous placez juste à gauche du petit chariot. Voilà. Et vous regardez donc dans cette direction. Et dites-moi ce que vous voyez sur l'image de gauche. De gauche, vous avez dit? Oui, de gauche. C'est pour tester votre œil gauche. Ça a l'air d'être des poumons, si je me trompe Ouais, pas. ouais, ouais. Donc, une radio des poumons de cage thoracique. Oui. Et l'image de Tout droite? à fait. C'est une main, enfin deux mains même, Oui, mais ça, c'est deux peut-être mains. même la même sous un autre angle, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et normalement, si vous voyez très très bien, il y a une petite fracture qui se situe à un tel endroit du bras ou du poignet. Donc, dites-moi où. C'est au niveau, alors attendez que je dise pas de bêtises. Je vois ça au niveau du poignet, mais je ne saurais pas vous décrire exactement. Bah Il y a écoutez. effectivement une petite marque blanche à la base. Bah écoutez, vous avez dit C'est ça la directement cassure? la bonne réponse, c'était au niveau du poignet, donc il y avait une petite fracture au niveau du C'est pas poignet. parfait. Donc pas de souci, franchement, très très bonne vue. Écoutez, le test à l'effort, je me demande si c'est vraiment utile. Bah, bon, nous allons le faire. Donc je vais vous demander D'accord. de faire 5 pompes, Oui. vous maintenez vos bras tendus Ok. pendant quelques secondes, et puis vous refaites 5 pompes. D'accord. Ok. C'est juste tester pour voir si votre souffle vous arrivez à récupérer sans souci. Donc, dès que vous êtes prêt, vous pouvez y aller. Si vous avez besoin d'échauffement, n'hésitez pas. On va y aller, on va y aller. Oui, voilà. Alors. Voilà, échauffez bien les bras, voilà, faites-les tourner au cas où. Voilà, et un peu vos genoux, voilà, préparez comme ceci, voilà, ça, pour être sûr que tout est bien chaud. Et puis, hop, Voilà. vous commencez les Allez, pompes. on y va. Vous êtes prêts? Allez, vous êtes prêts. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, maintenez! Et refaites 5 pompes. On 1, repart. 2, Allez. 3, 4, 5, maintenez! Voilà. Vous pouvez vous lever. Est-ce que ça va au niveau du souffle? Est-ce que vous arrivez à récupérer petit à petit? Ouais, ça va, ça Vous va. avez fait votre Ça va cardio aller. quand même? Oh, non, je vois bien que vous êtes sportif, hein? Mine de rien. Si vous faites de la muscu, ce Ah genre bah, d'exercice, c'est on du tient le babini. choc, oui, non, tout à Oui. fait. Tout à fait. Bah, surtout, vous avez quand même 36 ans, c'est quelque chose, c'est encore jeune, hein, vous savez. Donc, Ah, je suis pas encore totalement dépassé, oui, c'est ça, ah, c'est ça. oui, voilà, tout à fait. Il faut montrer justement aux autres futurs, enfin, aux futurs jeunes,
qu'il faut rester en forme et tout ça, comme vous, hein, Tout donc... à fait, tout à fait. En Donc, il forme reste... jusqu'au bout, comme on dit. Voilà, tout à fait. Donc, il reste plus que le dernier test, donc le test de réflexe myotactique. Donc ici, je vais Oui. prendre mon petit marteau qui se trouve... je l'avais mis où, mon marteau? D'accord. Il est où, mon petit marteau? Ah, je l'ai peut-être mis dans le tiroir. Attendez. Ah oui, il est là. Donc, je vais prendre mon petit marteau. Donc, je vais Par compter contre, jusque mettez-vous 3. bien de côté, hein. Trois. Je voudrais pas vous faire mal, hein. Vous inquiétez pas, je connais le risque du métier. Donc à 3, D'accord. je vais vous taper au niveau du genou. 1, D'accord. 2, 3. C'est pas ce que j'espérais. On va essayer de l'autre genou. Attendez. 1, 2, 3. Ah bah non. Ah. Non, j'ai le réflexe un peu bizarre, hein. C'est bizarre. Non, bah écoutez, c'est pas la première fois, donc je vais vous montrer. Donc je vous donne le petit marteau, tenez. D'accord. Voilà, prenez le petit marteau. On y va. Ah, attendez, prenez-le en main, prenez-le en main. Voilà, prenez-le en main. Et vous allez faire le test sur moi. Vous allez voir ce que ça fait. D'accord. Donc vous faites comme d'habitude, vous comptez jusque 3, et à 3, vous tapez avec le petit marteau sur le genou. D'accord, tout à fait. Vous êtes prêts? Allez-y. 1, 2, 3, c'est parti. Voilà! C'est comme Ah ça oui! qu'il faut réagir. D'accord, je vois, oui. Donc, vous me redonnez le petit Je me marteau. suis. Tout à fait. Voilà, je vous le reprends. Et donc, nous allons retester. Attention. Tout à fait. 1, 2, 3. Ah, ben voilà! C'est déjà mieux. Ah, je me disais Ah ouais, bien. j'avais contracté en fait, j'avais peur de vous faire mal, c'est pour Oui, non, ça. mais non, il faut vous laisser aller, justement. C'est ça le test. Bah, écoutez. D'accord. Bah écoutez, monsieur Slaghetto, bah, c'est parfait. Donc je confirme, donc PPA, ok. Donc concernant le PPA, est-ce que vous avez besoin tout de suite, ou alors vous avez le temps que je vous l'envoie en fin de soirée? Parce que vu que je pense que je suis tout seul, le seul médecin, pardon, en ville en ce moment. Ouais, vous allez avoir du travail. Non, mais prenez votre temps, hein. Prenez votre Ben temps, y a vous pas de inquiétez souci. pas, il sera rendu fin de soirée. Je le fais à chaque fois, D'accord. donc pas de soucis. Et par contre, je voulais vous poser la petite question. Au niveau de la police, c'est vous qui transmettez le dossier ou je contacte moi-même? Bah écoutez, en fait non, c'est moi qui envoie. Donc je vous envoie la copie à vous, je envoie la copie à monsieur D'accord. Park, ou alors il me le demande par mail et je D'accord. l'enverrai à ce moment-là. Vous inquiétez pas. Tout est fait D'accord, parfait. administrativement, pardon, chez nous. Parfait, d'accord. Est-ce que vous avez Eh d'autres questions? bien, non, tout est ok, tout est ok. Oui, non. Après, Oui? non, tout va. Non, aucune question, tout va bien. Bah ok, c'est impeccable, donc vous êtes bon pour le service, je vais vous ramener jusqu'à Parfait. l'entrée. Venez avec moi. Merci. Bah y a pas de souci, hein, je vous remercie vous, hein. Vous savez, notre métier se fait grâce à vous, donc s'il n'y a pas de patients, bah nous, on n'a plus de boulot. Tout à fait, tout à fait. Je comprends bien. Bon, j'espère que l'ascenseur va être beaucoup moins capricieux. Tout à fait. Ah bah ça a l'air d'aller. Donc veuillez me Oui, suivre. tout à fait. Simple petite question, vu que vous comptez être détective privé, vous avez déjà une Oui. enquête en cours, ou alors c'est pas encore tout frais, tout frais? Pour rien vous cacher, il est possible que j'ai une enquête en cours. Ah, déjà. Après, je suis preneur. Je suis. Ah. Hop, je vous suis. Bah, prenez Je votre suis temps, bah. preneur de toutes les affaires. Oh non, bah pour l'instant, moi, tout va bien, c'est juste si... par contre, je vous vois plus, D'accord. là. Vous êtes... Ah, voilà, c'est bon. Ah bon? Ah non, c'est bon, je sais pas, j'ai eu un petit voile tout d'un coup. Je suis discret, c'est pour ça. Ah, bah c'est ça, je me disais bien, faites bien votre métier, je pense que vous Ah étiez voilà, caché c'est derrière la ça, poubelle, c'est en ça. fait. Non, bah c'est tout à fait ça, c'est tout à fait. Ah, d'accord. Ah, bah c'est bien, Hier c'est bien. soir, d'ailleurs, je suis allé aussi voir comment une demoiselle là, qui fait le métier d'avocat. Madame Bigman. C'est ça, c'est ça, Ah, elle-même. très gentil dame. Justement pour lui parler de mes potentiels services, si elle avait Ah. besoin une fois de trouver une preuve pour disculper quelqu'un ou quelque chose comme ça, quoi. C'est toujours Ah. utile d'avoir un atout dans la manche. Ah bah écoutez, c'est pas con. C'est pas con. Et elle a eu
Elle a été surprise parce que justement j'étais caché derrière ses poubelles. J'ai Ah, mais dis. Ah, bah, quelle surgi d'un coup, coïncidence! elle a eu une Quelle vapeur. coïncidence! Ah, mais vous Mais bon. appréciez bien, vous appréciez bien. Je pense que vous allez faire des ravages en ville, je le sens bien. Ça va Eh peut-être ben, embêter. j'espère en tout Ça va cas. peut-être embêter plusieurs personnes, mais je pense que votre petite affaire de détective privé va faire beaucoup de bien dans cette ville, je pense. Eh ben, je l'espère en tout cas. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin un jour, Bah voilà, bah écoutez, vous justement, savez ça où me trouver. m'intéresse. Est-ce que vous pouvez passer votre numéro? Ou voulez-vous que je voulez Oui. avoir le mien plutôt? Bah, je vais vous transférer le mien, puis après, si vous voulez, vous pouvez me passer un petit coup de fil, comme ça j'aurai le C'est vôtre et puis je impeccable. l'ajouterai à C'est partir. impeccable. Donc c'est Monsieur McFly, hein, Alors, donc je vous donne ça tout de suite. MCFLY. D'accord. Tout à fait. Alors, je vous dis ça tout de suite, c'est le 06 Ah, attendez, je pensais que c'était moi. Attendez, 56. je pensais que c'était moi qui devais Ah! noter. Oula! Ah mince, excusez-moi. Oui, si vous pouvez le noter vous-même, si ça vous dérange pas, sans vous insister. Oui, Je noterai sans juste après souci, dans mon d'accord. carnet, vous inquiétez pas. D'accord, je vous écoute du coup. Donc 06 58 Oui. 92 Oui. 46 Oui. et 62. D'accord. Et 62. Donc D'accord, j'ai noté. 06 Je vous... 58 92 46 62. Tout à fait. Eh ben, je vais aller vers, vous savez, là, la place où il y a les cubes, là, me poser un peu, puis je vais vous envoyer un message tout de Il suite. n'y a pas de souci, c'est quand vous voulez. Voilà. Bon, sur ce, il faut que je vous Eh laisse ben, parce que j'ai une intervention en cours. En tout tout à fait. cas, Allez-y vite, hein, et puis bon courage en tout cas. il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue, bien sûr, à Los Santos. Et j'espère Merci beaucoup. que la vie ici va vous plaire. Oh bah j'espère aussi, il n'y a pas de raison, hein. Pour l'instant, j'ai croisé deux, trois personnes, qui avaient l'air plutôt sympathiques, donc tout se passe bien. Ah, vous inquiétez pas. Bon, sur ce, je vous laisse. Donc, passez une bonne soirée et faites attention à vous, Eh monsieur ben, bonne soirée et puis Snagedo. bon courage, hein. Y'a pas de soucis. Au revoir. Ouais, par contre, je suis vraiment, vraiment désolé. Mais il faut que je. Moi, cet ascenseur va me rendre fou. Non, par contre, il faut que je fasse. Faut que je le fasse à l'extérieur. Ouais, non, parce que si mon ascenseur fonctionne pas, ça va me saouler. Donc, désolé pour ceux qui sont dans le coma, mais là, je suis obligé de faire ceci. Ça va me rendre fou. Par contre, ça m'étonne que je sois encore le seul ambulancier. J'aurais pensé que un de mes collègues était présent. Ça me fait chier. Ça aussi, faire une visite médicale. Bon, ça c'est normal de faire la visite médicale, mais bizarrement qu'il y ait 4 comas d'un coup. Fallait vraiment que ça tombe maintenant, quoi. Donc j'espère que l'ascenseur fonctionnera parce que j'ai pas envie de faire déco-reco pour un truc. Donc voilà. Et j'ai vu quand même qu'on était 14 ou 15, si j'ai bien vu, à 9 h, ce qui est déjà très très bien, parce que hier on m'inquiétait un peu, parce qu'on n'était pas énormément. Et puis dans la soirée, on a été jusqu'à 19, je pense, voire même 20, ce qui est très très bien. Bon, croisons les doigts que l'ascenseur fonctionne. Normalement, il faut que je sois un peu surélevé pour que ça fonctionne. Donc là, j'étais un peu surélevé. Je vais attendre que ça charge correctement. Voilà, on y va. Ah, fais chier, mais merde. Putain, ça me fait chier cet ascenseur. Ah, et tout. Oh, je vais essayer. Ça m'énerve, quoi, cet ascenseur. Bon, veuillez m'excuser encore. Hein. Allez, c'est parti.
par contre, il faut pas que j'ai de musique. Parce que sinon, la vidéo ne fonctionnera pas. T'as des interdictions et tout ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie que ce soit le cas. On va dire que je commence bien avec la visite médicale, mais le fait de l'ascenseur me saoule un peu. Bon. Attends que voilà, ça peut, voilà, donc on y va. Croisons les doigts. C'est mieux. Bon, là on va prendre du service. Par contre, j'ai plus rien à boire et à manger. Fait chier. Ça aussi, j'aurais aimé. Ah bah si, il y a un collègue. Il y a un collègue donc. Comment dire bien? Allô? Bonjour docteur. Oh, tiens donc! Monsieur Park. Est-ce que je peux... comment dire? J'ai besoin de vos services assez urgemment parce qu'il y a votre collègue, l'un de Oui. mes collègues et une dame qui sont noyés. J'ai réussi à les ramener au bord du rivage mais ils sont un peu inanimés. Et Ben le donc voilà. problème, c'est que si je vais pas à la supérette, il y aura un autre coma, donc le mien. D'accord. Donc, Faites vite hein, au dans ce cas cas-là. où, envoyez-moi votre position par SMS et je ferai, je m'y rendrai au plus vite. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis au radar, mais je vais vous l'envoyer. Oui. Au phare, pardon. Mais il n'y a pas de problème. Ouais, non, je préfère un Oui, marquage GPS. je comprends. Je comprends, je comprends. Donc, je vous dis à tout à l'heure, Monsieur Park. À tout à l'heure, oui. Allez, à l'esquisse de ça, mais c'est vrai que je suis à la limite de tomber dans les vapes si j'en ai pas acheté quoi que ce soit. Par contre, à ce place, je pense pas que je pouvais faire un autre chemin. Enfin, j'aurais pu faire un autre chemin. Je pense que j'aurais dû prendre des icônes. Bon, on va essayer de faire au plus vite. Donc j'ai combien sur moi? Ah, mais vous faites chier. Alors, si je prends le ciseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anneau, pain, c'est bon. Bon, alors, F5. Victime. Oh, fiche. Attends, on va faire celui qui est plus près. Parce que moi, je peux pas. Je suis à 10 000 trucs à faire. Alors, hop, tac, tac. J'aurais dû prendre l'hélico, j'aurais dû prendre l'hélico. Oh là là là. Sportivité. Qu'est-ce que c'est ça encore? Ouais. Oh, monsieur Mais Gris. c'est rien, c'est rien. Monsieur Gris, vous m'entendez? Ah, je vous ai dit hier, il était tout rachitique. Aïe 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 Il a rencontré un nain et... Enfin, non, pas un nain, un lutin.
Ah, Et s'est fait défoncer. Oh là là. Ah, je l'ai vraiment, ouais. Ah, bah, c'est terrible, c'est terrible. Oh, ah ouais, il est là. Ah, mais, et la personne à terre, normale ou... Non, ça c'est un Roumain. Ouais, ça c'est un Roumain, c'est normal. Ah, ils sont d'accord. Tout le temps à terre. Dites-moi. Oula, mais c'est pas. Attendez. Attendez, monsieur Green. Oula. Ouais. Attends, mais la single qui est là. Est-ce qu'il avait déjà des yeux aussi clairs la dernière fois? Je me souviens plus trop. Vous êtes shooté? Hein? Non, on n'a rien pris. Ah bon? Vient d'arriver. Ah d'accord. On est en train de dormir tous les deux, hein, tranquille. Ah, votre vie privée ne me regarde pas. Ah non, 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 mais j'explique les... Non, mais j'explique. Ah oui, non. Mais... Eh, je suis pas gay. Hein. Ah, non, mais ok, y a pas de soucis. Monsieur Green, est-ce après, que vous ça dépend combien tu payes. Hein, pardon? Bah, au nez, j'ai mal au nez, oui. Ah, j'ai une méthode concernant le nez, s'il est cassé. Mais ça risque de faire mal, mais... Ouais. Instantanément. Vous voulez essayer? Ah ouais? Ah ouais. Attention. Voilà. Je l'ai remis en place. Ah ouais. Ah, par contre, ça, chaud, ça devrait couler un petit peu. Mais non, justement, je vous l'ai remis en place. Mais non, je vous ai remis en place, justement. C'était une méthode, bon, assez barbare, mais ça remet automatiquement. Ah, par contre, vous avez le nez qui coule, là. Attendez. Attendez, je vous donne un mouchoir. Attendez. Prenez un mouchoir. Vous voulez la runina qui coule. Ah, bah, ouais. La runina. Non, non, faut vraiment moucher ça. La runina, regarde. Ah. Pas besoin de le rendre, hein, ah vous ouais, pouvez le garder. Ah, t'es sûr que tu le veux pas? On n'en a pas besoin. Non, 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 c'est bien gentil, mais c'est. Non. Vous pouvez jeter à la poubelle, je pense qu'il y a une poubelle pas loin. Ah non, c'est ça. Ah bah, là-bas. C'est poubelle. Et en face, hein, ouais. Par contre, messieurs, je suis vraiment désolé, mais vu que je suis le seul en service, il faut que j'aille au plus vite à un autre commun. Ouais, ouais, mais on donc, a bien compris, ouais. Monsieur Green et Monsieur Doudou, je vous souhaite donc la meilleure des soirées et faites attention à vous comme toujours. Ah, vous aussi, ouais. Bisous, hein. La bise, hein, la bise. Ah, la bise. Ah, t'es beau gosse. Ça va mieux, toi. Je suis un peu trop débordé, je suis un peu trop débordé, je suis un peu trop débordé. Il faut que je prenne un hélico. Donc je vais poser mon camtar là. J'ai bien fermé l'embu. Et on va prendre l'hélico. Ah. Ah. Par contre, là, vu que c'est en hélico, je préfère. C'est si je dois téléphoner. Bah, par contre, quand je serai avec des personnes, faudrait que j'arrête de parler. Bon. Ah, je peux pas décoller? Non. Merci. Ah, oui, j'étais sur un autre commun, donc là, j'arrive au plus vite. Je fais du mieux que je peux. Y'a pas de problème. J'y couvre, je vole, toi, j'y vole même, très haut, j'y vole. Donc j'arrive. Ah ok. J'arrive. Ok. Oh putain, j'ai évité un bâtiment. Oh là là. Docteur, raccrochez en téléphone pas en conduisant, c'est non, pas mais bien. J'essaie de faire du mieux que je peux là, c'est raccrocher à ma place. Ok. À la bise. Voilà. Et bien sûr, j'ai presque plus d'essence sur l'hélico tant qu'à faire. Par contre, j'espère que ça va pas déconner le truc. Oula. Bah, c'est moi qui descend. Monte. Ouais, il monte pas. Ah si. Ah, le pavé numérique, des fois il déconne. Hein. Ah, je pense que ça va être mon outil d'intervention, ça va être l'hélico parce que... Si j'ai un collègue qui tombe déjà dans le coma,
dès le début. Par les morts noyés, de ce que j'ai pu comprendre. Bon, on y arrive. Maintenant le phare. J'espère que c'est pas avec Monsieur Patulacci. Apparemment il est mort. Docteur. Oui, désolé du retard. Faites vite, hein. Je fais du mieux que je peux, hein, je suis tout seul. Hein. Je m'en doute, votre collègue il est un peu... Oui, vous formalisez pas sur la position, mais on a essayé de sauver la madame et partout, il s'est noyé. Non, il s'est noyé. Monsieur, est-ce que vous m'entendez, monsieur? Ah, je vais vous mettre le masque oxygène et je vais vous aider à vous relever. Donc, tenez bon. Oh là là, mais ils sont faibles, les Speedy, c'est incroyable. Un petit peu. Ah doux, non, j'y peux rien, docteur. Hein. J'y peux rien. C'est terrible. Terrible. J'y peux rien, docteur. Après, bon, si ça avait pas nagé, c'était pas écrit dans son dossier médical. Ah, ça c'est embêtant. Madame, vous m'entendez, madame? Oh, attendez, j'ai de l'eau qui remonte. Ah, vous allez. Vous mettez ça à côté, par contre. Hein. Madame, si vous m'entendez, donnez-moi la main, ouvrez les yeux. Madame, si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Enfin, soufflez très fort plutôt. Ah, je n'entends pas, donc massage cardiaque, 1, 2, 3, 4. Non, qu'est-ce qu'il fait, il va se renoyer. Non, ne saute pas dans l'eau, Alban, t'en as déjà assez dans la bouche. 4, 16, 17. Ouais, repose-toi un coup là, repose-toi un coup. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, c'est bon, la madame elle a pas été. Bon, le collègue, est-ce que tu m'entends, collègue? Ah. Oh, bon, oh mon dieu, oh l'odeur. Ah, il est bien conscient, hein. Oh l'odeur. Je vais vous réanimer, je vais mettre le masque d'oxygène. Oh putain, ça pue, mais ça pue. Ah, madame, vous m'entendez? Oh hein? Oui, je suis... Oh là là. Je me vois un peu dans les nuages. Ah mais je vois ça. Je crois que... Oh putain, les magiciennes. Ah là, c'est mieux comme ça. Ouais. Ah, faudrait que tu changes de caleçon, hein, Shelby, parce que putain que tu pues. C'était pas moi, monsieur. Oh non, mais... Oh mon dieu. Ouais, ça pue, là, c'est quoi? Ah ouais, non, c'est lâché, là. C'est pas moi, monsieur. C'est... Oh, la trace... C'est vrai qu'il y a une trace noire. Laissez-moi passer, il faut que je vous... Ouais. Aïe. Attendez, je crois qu'on a perdu le commandant. Oh non! Il est où le commandant? Il est où le commandant? Ah, moi je sais nager, y'a pas de problème. Hein. Ah! Moi j'avais oublié de prendre ma respiration avant d'aller. C'est pas pour rien que j'ai ramené les 3 personnes sur le rivage. J'ai un problème. J'ai du bon travail. Comment ça que t'as un problème? Il est bloqué dans la corde, il est bloqué. Ah! T'es bloqué? Je suis bloqué dans la. Ah, attendez! Non, je sais pourquoi il est bloqué. Ah, pardon. Enlevez-vous? Ouais. Il a des menottes en fait, mais il est. Enfin voilà. Ah, ça c'est une technique radicale. Vous l'avez menotté? Voilà. C'est bon? Bah, j'ai dû les menotter pour les ramener au rivage en fait. J'ai dû les menotter et les escorter, docteur. C'est une nouvelle méthode? Les menotter dans l'eau? Parce que vous, les médecins, vous êtes incapables de réanimer les gens dans la flotte. Pardon? Oui. Nous, incapables? Vous êtes. Vous avez pas la possibilité de réanimer les collègues dans l'eau? Non, docteur, prenez soin de vos malades quand même! Non, je suis choqué, je suis outré, non, je m'en vais. Mais prenez soin de vos malades! Qui s'était lâché, monsieur? Non, c'est une insulte, en plus envers un PDG, alors là, vous me décevez, monsieur Park. Ah, mais docteur, vous savez que c'est de l'humour, vous savez que tous les deux, on s'entend bien. Oui, par contre, changez de votre casquette, hein, on dirait vraiment un russe comme ça. Ça peut choquer les Américains. Oh, bah écoutez, hein. Y'a pas de problème. Ça va mieux, mademoiselle.
Bah ouais, enfin, je savais pas qu'il y avait des méduses dans le coin en fait. Et je suis hyper allergique, je fais une mauvaise réaction avec les méduses. Bah ouais, justement, en plus les méduses c'est plus du côté froid. Et si on est dans un pays chaud, ça me semble bizarre. Oh, vous savez, j'en ai déjà vu. J'étais allée une fois en France et j'en ai vu vraiment à la Manche. Bah écoutez, nous en Belgique, dans la mer du Nord, on avait aussi des méduses. C'est pour ça que je dis dans les pays froids. Elles craignent pas le froid, mais ici il fait pas bien chaud non plus, hein, là, comme ça au mois de novembre. Ah bah oui, bah oui, ça m'étonne. Par contre, en Alsace, il n'y a pas de mer en Alsace. N'est-ce pas, monsieur Parcu? Non, mais il y a le Rhin, pourquoi? Ça vous dérange? Le Rhin? Vous avez un souci de Rhin? Oui, le Rhin. Vous avez une pierre au Rhin? Oh, je pense pas que. Oh, bah mon dieu, prenez une pastille, hein, quand vous soufflez, dis donc. Eh, docteur, je ne vous permets pas, hein. Attention. Ah, c'est une boutade. Par contre, mademoiselle, est-ce que vous vous êtes blessée quelque part que je puisse vous soigner? C'est vrai que j'ai complètement oublié de vous demander. Chef. Bah non, du coup, mis à part ça, non, ça va bien. Concernant une piqûre de méduse, souvent on utilise de l'ammoniaque. Donc, on m'a expliqué qu'il fallait faire pipi sur, voilà. Oui, tout à fait. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Docteur, vous racontez des bêtises, là, c'est une légende. C'est une légende. C'est une légende. C'est une légende. Docteur, c'est une légende. Attendez, c'est une légende. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes policier? Je suis LSPT, mais j'ai été pompier avant d'entrer dans le LSPT. J'ai été pompier volontaire pendant très longtemps. Hein. Je suis médecin, donc je connais mon boulot. Merci. Vous avez déjà vu. Oui. Par contre, attendez. Comment il s'appelle, monsieur voilà, monsieur à lunettes. C'est comment votre nom? Ah, Shelby, Alban. C'est pas pour rien que votre collègue et son frère se sont noyés. Ah, je vous reconnais pas. Je vous reconnais pas avec vos lunettes. Ah, bah dis donc. Bon, écoutez. Lunettes de cycliste, hein. Bon, du docteur, coup, si tout va bien, nous on va y aller. Hein. Bah écoutez, bah, attendez deux secondes, je voudrais savoir si Monsieur Shelby va bien avant. Oui, bah Monsieur Shelby peut rester ici parce que vous devez probablement le soigner, mais nous on a un appel, alors on va y aller. Hein. Oui, allez-y aussi, donc. Je leur cracherai sur la route. Ouais. De toute façon, vous passerez à l'hôpital si au cas où. Hein. Pardon? Oui. Pardon, vous avez dit quoi? McFly. Merci. C'est bien ça votre nom? Merci. Au revoir, Monsieur McFerst. C'est au coup. Comment? J'ai bien entendu. Monsieur Nugget. Vous avez quoi encore? Oh. Alors lui. Non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi. Si, là, ça, c'est pas moi. Par là-bas, un peu. Non, mais c'est pas moi. Mais dis donc, mais. Tiens. Mais regarde ma fenêtre. Mais vous avez osé? Mais moi j'ai rien fait, j'ai juste tapé. Écoutez, même vous en non, mais non, j'ai tapé dans les pneus parce que vous savez qu'il était dégonflé, donc j'ai tapé là. J'y peux rien si les vitres sont sensibles. Mais moi, j'ai. Pourquoi vous tapez sur mon ombre? Votre porte, elle est mal emboîtée. J'ai voulu vous la enfoncer un peu. Ouais, mais c'est. Là, franchement, je suis outré. Ah, le Speedy, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. Par contre, mademoiselle, justement, vous avez un moyen de locomotion parce que. Le problème, c'est que. Je suis venu ici en moto et que. étant donné que vous avez mis quand même assez longtemps avant d'arriver, j'ai eu. Écoutez, quand vous voyez que mon collègue est tombé dans le coma, je sais pas comment d'ailleurs, et je veux pas le savoir. Donc, tant d'y arriver jusqu'ici que j'avais un autre coma sur le côté, c'était compliqué. Je tiens à signaler. Ouais, mais du coup, j'ai eu entre temps un clignement de yeux et mon véhicule n'existe plus. Monsieur Shelby, je voudrais parler. Je tiens à signaler. Je tombais dans le coma en voulant aider mon frère qui est tombé dans le coma en se noyant. Ouais. En fait, ça a été, je pense, un enchaînement. Je pense qu'on a voulu m'aider et la personne a eu. Il y a eu un effet de domino, c'est ça que vous dites. Et du coup, votre collègue a voulu. Ouais, c'est ça. Votre collègue a voulu. Voilà, c'est un peu ça. La personne qui a voulu m'aider, enfin, on aurait pu encore être 12 derrière, hein, je pense. Ouais, non, mais y a pas de souci. Avec les courants, c'était pas évident, je pense, pour tout le monde. Ah, je m'en doute. Pas du tout. Maintenant, vous avez trois possibilités. Du coup, si quelqu'un peut. Bah, justement, c'est ce que je disais. Ou vous allez à pied, ou vous allez en voiture, ou vous allez en hélico. Vous choisissez. Oh bah peut-être l'hélico, hein, tant qu'à faire. Ah, bonne réponse, venez avec moi donc. Bonne initiative surtout. Bon, à tout à l'heure, monsieur Shelby. Ça se voit que vous tenez à votre vie, madame. Oh, ne l'écoutez pas, ça... il est inconscient. Ouais, enfin, en tout cas, il fait bien son travail. Pour mes problèmes de cou là, mon agression. Ah bah oui, parce que j'étais occupé avec un autre patient, donc oui, heureusement qu'il est quand même qualifié pour pouvoir faire vous prendre en initiative.
Bah, et puis vous soulagez un peu, parce que je pense que vous n'êtes pas nombreux non plus. Ah non, ambulanciers, donc c'est je vous l'accorde, je vous l'accorde, nous sommes en tout, hein. Nous sommes 4 ambulanciers, mais jamais dispo en même temps, vous voyez. Donc on est ou 2, ouais, voire 1, dont souvent moi le soir, donc voilà. Quand vous avez oui, pu bah, le voir, moi, c'était assez compliqué. Sur vous, de toute façon. Donc, ah, ouais. Par contre, j'ai mon téléphone qui sonne, mais je peux pas l'utiliser vu que je tiens déjà le levier de direction. Donc, il patiente. Oui. Non, et puis, ça serait peut-être pas prudent. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Sinon, c'est bien Madame Gould, hein, c'est ça? Oui, ouais, tout va bien du côté de nos finances. Bah oui, tout va bien, ouais. Enfin, moi c'est pareil, j'ai très peu de convoyeurs et ils sont très peu présents. Aïe, aïe, aïe. Du coup, pour que la banque tourne, il faut que je fasse pas mal de convois pour, remplir aïe, aïe, les coffres. Donc il y a pas mal de boulot. Ah, je vous et puis ça fait deux fois en suivant que j'essaye de me détendre après le travail et qu'il m'arrive des drôles de choses, donc je vais demande si de choses je comme vais pas travailler 24 heures. Ah bah hier je me fais agresser, je sais absolument pas ce qui s'est passé. Ah oui, aujourd'hui je veux prendre un peu l'air, je me fais piquer par des méduses. Aïe. Je me demande si je suis pas mieux à la banque finalement. Ouais, dans les bureaux et tout ça, bah écoutez, c'est vous qui voyez, mais bon. Ce serait un peu dommage que vous restiez enfermé dans votre bureau, alors que parfois, dans cette belle ville de Santos, il y a le temps qui est présent. Donc voilà, ce serait un peu dommage. Ouais, non, il va juste falloir que je sois un peu plus couverte, on va dire. Combinaison de plongée, masque, casque. Protection solaire, indice 50, etc., etc. Oui, je vois complètement. C'est ça, parce que je pense que je suis un peu poissarde, donc. Ouais, écoutez, ça se peut, d'ici peu, tout se réglera comme du papier musique. Oui, ouais, il y a peut-être. C'est peut-être une mauvaise période niveau lunaire. Oui, j'avoue que. Cette nuit-ci, la lune était quand même assez énorme, donc ça peut justement causer des comment expliquer ouais, de l'anxiété. Il y a des sceptiques ou pas. Voilà, hein, tout à fait, sceptiques et tout ça. Beaucoup. Voilà, tout à fait. Vous comprenez ce que je voulais dire. Et même au niveau des marées, ça fait beaucoup aussi. Hein, donc. Ah, c'est ça. Là, il y avait vraiment beaucoup de courant. Ah, ouais, de toute façon, je pensais que ça doit être ça. Je vous suis. Oui, vous devez me suivre. Bon, moi, je vous ramène à l'entrée de l'hôpital, enfin, pour les patients en général, et pas du côté des urgences. D'accord, mais comme il y a deux sorties possibles. Oui, en fait, c'est les sorties urgence. Dès qu'on a des patients à les amener en urgence, nous allons vers le bas d'accord. de l'hôpital, et ici, c'est pour l'accueil. C'est l'accueil aux consultations. D'accord, ok. Est-ce que vous avez prévenu quelqu'un ou alors vous allez appeler un taxi? Je pense que je vais appeler un taxi, ça fera travailler un peu la société. Ah, ben c'est bien, c'est puis, bien. Je suis pas très loin dans tous les cas, donc même s'il y a personne, ça ira. Je ah, ben pas de soucis, pas de soucis. En tout cas. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. Oui, ben écoutez, j'ai fait du mieux que je peux. Désolé pour l'attente assez longue, donc. Non, mais je comprends, il n'y a pas de souci, c'est juste un concours de circonstances, parce que je pense que votre collègue est arrivé. C'était un peu long, mais bon, il est arrivé quoi qu'il en soit, mais bon, derrière, bah, regardez, il est arrivé ce qui devait arriver, quoi. Hier, ça a été vite, et aujourd'hui, ça a été un peu plus long, donc au moins, il y a un juste milieu. C'est ça, bon, on va faire une moyenne des deux. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal, hein, ça va. Bah en tout cas, j'espère vivement que je recrute quelques personnes supplémentaires, parce que c'est vrai que... En plus, moi, en tant que PDG, un PDG en général, bon, il est assez dans les papiers administratifs et tout ça. Il ne doit pas forcément être sur le terrain, mais bon, pour l'amour du citoyen, ouais, non, je suis obligé c'est de... C'est exactement la même chose pour moi, parce que du coup, moi, je devrais être présente en banque pour m'occuper des clients, pour oui, les tout crédits, à fait, tout à fait. Les questions, et pour finir, bah, étant donné que mes convoyeurs sont peu présents, et que j'en ai très peu également, bah, je suis obligée de faire leur travail. Donc forcément, pendant que je fais leur travail, je ne suis pas en banque. Ah non, c'est triste à voir. Ça va se régler, je pense, avec un petit peu de temps. Ouais, non, mais j'espère bien pour vous. Hein, j'espère bien, parce que bon... on dirait que les jeunes d'aujourd'hui pensent juste à se la coller douce et à essayer de gagner
De l'argent sans, sans vraiment ouais, rien faire. De l'argent facile. Voilà, de l'argent facile, ouais, quoi. Ou voilà, voire même dans l'illégal. Hein, donc, je vois souvent des jeunes. Ouais, bah, oui, oh, t'en as pas un weed, t'en as pas un petit cannabis. Bah, oui, écoutez, bah, j'ai rencontré quelqu'un hier qui a essayé de me faire croire qu'il cherchait des feuilles de menthe pour, pour faire du thé à sa grand-maman. Je suis pas dupe, hein, donc non, j'ai bien compris ce qu'il cherchait. Je l'ai remarqué directement, vous inquiétez pas, madame Gould. Ah non, c'est triste. C'est gentil. C'est triste à voir, franchement. Pauvre monde. Bref. Bon, bah écoutez, bon courage à vous. Parce que je pense que la soirée va être longue. Également pour vous. Oui, tout à fait. Bah, merci. C'est gentil. Puis bon, bah je vais essayer de ne pas vous rappeler ce soir. Hein. On va essayer d'être un peu. Maintenant, si vous me rappelez pour une circonstance qui est plus positive, il n'y a aucun souci. Je essaierai de vous répondre le plus vite que je peux. C'est gentil en tous les cas. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et puis à bientôt, du coup. Également, et bien sûr, faites attention à vous. Oui, merci. Bon courage. Au revoir, madame Gould. Bon. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Allô ? Ah. Allô ? On va prendre un peu tard. Ah. Oui. Là, je vous avais appelé, en fait, pour demander si vous pouviez aller sur appel directement. Écoutez, j'étais occupé avec madame Gould par hélico, donc c'était un peu compliqué, justement, de vous répondre, hein, monsieur Shelby. Y'a pas de problème, vous inquiétez pas. Donc je vous dis à tout à l'heure, monsieur Shelby. D'accord. Bon, on va remettre de... Tac. Voilà. Donc on va vérifier un peu tout ça. Ah ouais, faut que je note son numéro. J'avais peur que ma lampe ne fonctionne pas. Bon, renotez le numéro donc, monsieur. Il aurait pu trouver quand même un autre nom, hein. Schlaghetto. Je vais l'appeler monsieur Ghetto, j'en bien. Ça sera peut-être plus, encore plus simple pour moi. Edson. Donc, c'est 06 56 85 38 et 5. Alors, contact ajouté. Alors, c'est monsieur donc. Schlaghetto. Et donc, Edson. Donc, c'est 06 56 85 38 05. Et on va voir si c'est bon. C'est bon. Madame dit des vidéos, donc ça sert à rien du tout. Bah écoutez, le carnet se remplit de plus en plus, donc. Enfin, le carnet du répertoire. Et rebonsoir à monsieur Dadion, que j'ai parlé tout à l'heure au téléphone, donc bienvenue pour le stream quotidien. Donc, comme vous voyez, nous sommes que 4 pour l'instant, donc monsieur Shelby est présent avec moi-même, et il y a monsieur Curtis et monsieur Masaki. Masaki, je ne vois déjà presque plus. Donc, on verra s'il compte revenir ou pas, parce que s'il compte pas revenir, je pense que je devrais malheureusement le licencier. Attendez. Ah ouais, c'est vrai que j'ai plein d'argent en banque. Donc 4 medikits. Retirer. 4 medikits. Par contre, je commence à... Merde. Je commence à presque plus avoir de... Ah, je pouvais mettre encore quelque chose. Non, tant pis. Quoique, il faut que je boive un coup. Bon, j'ai un petit truc. Et donc, est-ce que côté appel, il y a encore des appels? Il y en a plus. Bon, ok. Bon, on va aller à la banque. C'est bien. Ah, je suis à trop d'argent sur moi. Pour ceux qui ont suivi hier, en fait, c'est monsieur Bigman qui m'a donné cette somme. Ah, ouais, toujours là, mon ami. Bah, parfait. C'est parfait. Par contre, faut que j'enlève les girous. Voilà. Bon, si tu viens d'arriver, en fait, tu as raté donc une visite médicale de ce Schlaghetto.
Et une intervention du côté du phare, il y avait mon collègue, il y avait Madame Gould et Monsieur Shelby. Un autre Shelby. Je sais pas ce qu'ils ont foutu réellement, mais... Bon, c'est combien j'avais sur moi? Donc je vais mettre 5695. Voilà. Normalement j'ai 100 dollars, c'est parfait. Ils sont mon compte en banque. Bon, j'adore. J'adore l'argent. Voyons voir. Ouh, nous sommes quand même 17 sous ça. Ce qui est très bien, c'est très bien. Voyons voir. Je vais me garer. Je vais voir si j'ai pas des appels à faire. Message. Bon, monsieur Beckman, c'est fait. Monsieur Wick, je vais sonner plus tard. Monsieur Jeff, non. Monsieur Shelby Max, non. Non, Taylor, non. Barbara, écoute, non. Curtis, ça. Hein. Curtis, je pourrais sonner pour voir. Paix à son âme. Bon, attendez. Nous allons sonner donc à Curtis pour voir s'il serait présent. RP, pardon, je sais pas s'il est là ou pas, donc je fais genre que j'essaie de sonner. Bon, ça peut dire qu'il me répond. On va sonner donc à... C'est John Wick. C'est vu qu'il doit encore passer une fois pour ça pouvoir... Pour le, ce qu'il y a eu comme image de son visage. Il n'y a rien à comprendre, on ne sait pas tout de suite. Et sinon, ben. Non. Il n'y a personne d'autre. Donc. Donc nous allons aller visiter l'entreprise. On va commencer par Osiris Transport. Enfin, ni tout, tant pis. Bah, par contre, faut pas suivre le radar. Sur le radar, normalement, on fait aller à gauche, mais ici, l'Osiris Transport se trouve dans cette rue. Ici à droite et puis un peu plus loin à gauche. Bon, véhicule bien fermé, pistolet chargé, cas où. Et donc, première visite d'entreprise, c'est donc chez les taximen, donc Osiris Transport. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un? Pas mal les échos. Bah écoutez, ça a l'air qu'il n'y ait personne. Donc, on va poursuivre. Hein. On poursuit notre tournée. Allez, j'attends ce saut. Voilà, quelle souplesse. Et donc voilà. Le deuxième donc, il est donc chez les livreurs.
Il va se trouve juste là. Parti. Alors on regarde à gauche, on regarde à droite. Et bon, on y va. En tout cas, vous êtes déjà 4 sur le chat, ce qui m'a fait très plaisir comme toujours. Donc j'ai vu Dadion, que j'ai vu donc Noirex, qui est donc monsieur Ethan Shelby. Donc il n'en reste plus que 2. J'ai peut-être une idée sur, sur la troisième personne qui sera sûrement Maïda. Donc si c'est le cas, ben rebonsoir. Et la quatrième personne, par contre, là, c'est peut-être un mystère. Donc n'hésitez pas à vous manifester pour savoir à qui j'ai affaire ce soir. Donc ici à droite, on descend la pente. Alors, vu comme ça... Ça m'a l'air qu'il n'y a personne. Faut quand même garer. Je vais faire le tour de regarder au niveau des palettes. Pour voir s'il y a ma livraison. Parce que bon, depuis... c'est hier, je pense que j'ai fait... J'ai fait ma commande pour des medikits et des bandages. Donc j'aimerais bien les avoir avant que j'ai une pénurie. Si j'ai une pénurie, là... Bon, voyons, voyons... Donc ça c'est pour les mécanos, donc ça n'a rien à voir avec moi. Ça c'est pour le food truck. Ça c'est pour l'unicorne. Ah donc ça doit être celle-ci. Ah bah oui, c'est celle-ci. Ah il n'y a pas quoi livrer. Hein. Aïe, aïe, aïe. On peut pas faire confiance dans cette entreprise. Bon. Ah, par contre, il y a un véhicule là. Bon, nous allons continuer à tourner. Et la prochaine destination. Ah! Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je suis monsieur McFly, donc PDG de l'hôpital de Los Santos. C'est pour faire une petite visite pour voir si. Si tout va bien, s'il n'y a pas une bobo, etc., etc. Ah bah, étant donné que je viens d'arriver, non. Bah, ah non, bah... moi, je sais pas, faudrait peut-être voir avec le patron. Ah non, mais justement, bah, écoutez, moi, je fais connaissance avec tous les nouveaux citoyens, donc, vous vous appelez comment, dites-moi. D'accord. Moi, c'est Jordan Jonk. Monsieur Jonk, bah, enchanté, je vous sers la main. Enchanté. Enchanté. Voilà. Et donc, vous êtes arrivé en ville il y a combien de temps de ça? Il y a à peu près 10 minutes, mon avion est atterri. Ah ouais. Ah, vous avez pas perdu de temps, déjà un travail. J'espère que vous avez quand même le permis. Ah bah, même j'ai si passé je suis pas mon permis. Et... Oh, et en plus... oh là là, bah, vous êtes vraiment un citoyen modèle. J'ai passé que le permis. Ah bah j'espère. Je fais pour en tout cas. Bah, c'est très bien, c'est déjà un très très bon début. Vous avez pas de volet de véhicule, rassurez-moi. Honnêtement, entre nous, je suis pas flic. Hein. Non, je disais, vous avez pas volé de véhicule dès que vous êtes arrivé. Bah en fait j'ai foncé le plus vite possible on va dire là où je pouvais passer le permis et au Pôle emploi quoi. Ah d'accord, bah vous inquiétez pas. Parce que j'ai perdu mon téléphone à l'aéroport donc je peux pas téléphoner à taxi, je sais pas s'il y en a ou pas. Bon. Écoutez, je saurais pas vous dire s'il y en a vraiment, j'en ai pas croisé. Mais en général il faut faire juste un appel, enfin quand vous aurez un téléphone vous faites juste un appel de tout bête. Hein. Est-ce que vous avez déjà commencé votre emploi ou pas du tout? C'est vraiment, vous êtes juste engagé, c'est tout. Là, j'arrive. D'accord. Voilà, j'arrive. D'accord, d'accord. Ouais, parce que en même temps, j'allais demander si ma livraison va être bientôt être bah, livrée justement à l'hôpital parce que j'avais fait une commande hier. Mais vu que vous venez d'arriver, bah non. Ouais. Je vais essayer d'en parler avec une autre personne. Bah écoutez, vaudrait mieux, oui, mais j'ai sur l'emploi du temps là-bas, le planning, il y avait marqué qu'il y avait un collègue en service. Ah d'accord, bah écoutez, j'espère que vous allez le croiser bientôt. J'espère aussi. Et en tout cas, oui, tout à fait, tout à fait. Et en tout cas, je vous souhaite la bienvenue donc dans cette belle ville de Los Santos, et j'espère que vous trouverez de quoi faire, de quoi vous plaire là-bas, enfin de quoi vous plaire ici, plutôt. Oh, je pense, ça m'a l'air bien sympathique en tout cas.
Bah écoutez, nous sommes dans une ville accueillante. On essaye de faire le maximum pour que tout le monde soit des mieux accueillis possible. Ouais, bah c'est parfait. Bah je me fais très bien accueillir par la première personne que je rencontre. C'est déjà pas mal. Ah bah c'est parfait. Qui plus est, en plus, sert les personnes de la ville. Donc. Ah oui, donc vous avez pas encore rencontré une seule personne à part moi. Ah bah dis donc. Voilà, c'est vous. Ah bah c'est très bien, c'est très bien. C'est vous que je complimentais, c'est ça. Ah bah écoutez. Je vous serre la main, je vous remercie en tout cas, je vous remercie. Ah bah merci à vous. Écoutez, dites-moi, est-ce que vous avez un projet dans cette ville, enfin un métier que vous aimeriez bien faire à l'avenir, ou alors vraiment vous attendez un petit peu plus pour savoir dans quelle direction vous voulez aller Ouais, là pour l'instant je vais plus un peu attendre, voir faire des rencontres, etc. S'il y en a qui veulent monter un projet à plusieurs, ou etc. Tout à fait. Bah écoutez, bon, moi si je peux vous conseiller, la première chose à faire, donc vous l'avez fait, c'est donc le permis. La deuxième chose, est-ce que vous avez pensé à aller à la banque centrale pour aller chercher votre carte bancaire? Non, pas encore. Non, oui. Vous savez où se situe vous savez où se situe la banque centrale? Du tout. Vous avez une carte routière sur vous? Pensez à être très fort à un slip. Oui. Donc, vous allez donc au nord du centre-ville, donc au niveau de ce qu'il y a le... Si je dis pas de bêtises, c'est le Bahamas, tout au-dessus. D'accord, ou le Tequila, oui, là, je pense que c'est le Tequila, là. En fait, normalement, vous allez voir un genre de cœur en noir avec et à gauche un dollar orangé. Oui. Ah ben, c'est juste ça, là. La banque centrale se trouve juste là. Vous allez chercher votre carte bancaire là-bas. Et après, d'accord, vous pouvez extraire votre argent de votre compte très facilement. Et la carte est gratuite. À toutes les banques. Ok. Ah bah si elle est gratuite, ouais, j'y passerai. J'irai avec mon véhicule de travail comme ça. Oui, voilà, tout à fait. Quand sûr de... Voilà, ça y aura pas de souci. Tant qu'à faire, est-ce que vous êtes inscrit sur le Discord de la ville? Non, mais je sais qu'il faut venir et je cherche encore le lien. Pour chercher le lien, vous connaissez l'application Google? Oui. Vous tapez le nom de la ville, donc qui est donc Osiris Community, et vous allez trouver un lien qui a toutes les informations dessus, dont le lien Discord de la ville. Eh ben c'est parfait, alors je vais le faire de suite. Hein, c'est parfait. On aura fini de discuter. Bah oui, okay. Oui, vous inquiétez pas. Mais écoutez, justement, je vais vous laisser reprendre votre activité. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et faites attention à vous, monsieur. Eh ben, passez une bonne soirée aussi, en espérant se revoir que dans des conditions comme celle-ci. Hein. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, même si c'est dans une circonstance un peu délicate comme une blessure ou un coma, bah, vous inquiétez pas. On fera toujours notre maximum pour que vous soyez rétabli à temps. Eh ben, c'est parfait alors. Je ne sais pas si c'est normal, mais en atterrissant, je viens d'avoir des nausées un peu, si vous voulez. Oui. Je pense que c'est après le voyage de l'avion, je me sens à moitié bien, on va dire. Je sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Oui, ou si écoutez, c'est normal. Si vous voulez, je peux vous faire un petit check-up vite fait. Ça prendra juste quelques temps. Et au cas où, je peux vous donner un petit antidigestif. Ça peut toujours servir. À prendre quand vous êtes vraiment sûr que vous sentez vraiment ballonné. Ouais. Par contre, vous voyez, je me sens un peu mieux et il manque un petit mot de tête maintenant cette fois. Un petit mot de tête. Écoutez, exceptionnellement pour vous. Je vais redonner une couche. Oh là là. Vous êtes incroyable, docteur. Bah écoutez, je fais toujours mon maximum. Et donc... C'est parfait. Là, oui, je me sens nickel. Merci. Par contre, une chose, bon. En général, on fait pas forcément attention. Faites bien attention au niveau de votre gorge sèche et de votre estomac qui crie famine. Parce que souvent, on fait pas attention. Oui. Est-ce que pour l'instant, tout va bien? Est-ce que vous avez de quoi manger, boire? Tout va bien pour l'instant, oui. C'est parfait. Tout est en ordre, merci. C'est parfait. Vous êtes très vigilant, ça, j'apprécie. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas du tout, monsieur? C'est comment encore votre nom? Non, pas du tout. Jordan Jonk. Monsieur Jonk. J-O-N-K. Y a pas de souci, monsieur Jonk. Bah écoutez, si vous voulez, je peux vous donner mon numéro si vous avez besoin peut-être d'autres informations. Ah, j'ai pas encore mon téléphone. Ah, faudrait que j'aille en chercher. Oui, ça c'est embêtant aussi. Ah, je passerai à l'hôpital à la limite pour vous laisser voilà, mon, numéro, mon dossier s'il faut. Bah, au cas où, vous pouvez même laisser un petit post-it. Vous pouvez laisser un petit post-it au bureau et je ferai nécessaire, vous inquiétez pas.
Ouais, ok, ok. Bon, sur ce, monsieur Jonk, je vous souhaite donc une bonne soirée et faites attention à vous. Bonne soirée, merci beaucoup. Et encore une fois, bienvenue en ville. Et merci. Ah bah bien sympathique ce petit Jonk. Hein, da Jonk. Je vais savoir le retenir plus facilement vu que t'es là. Bon, par contre, c'est pas de la même façon, mais... Bon, par contre, on va vérifier si j'ai bien mis en push and talk. Enfin, c'est bien. C'est bien ça. Vérifier, fermer véhicule. C'est parfait. Prochaine destination. On va directement les embêter. Et après, je passerai chez. Peut-être chez les pompistes. Pompistes, vu qu'il y en a deux. De nouveau depuis deux, enfin un ou deux jours, donc, depuis deux jours je pense, et qui sont très sympas. Pardon. Ah ben il y a un livreur. Ah il a peut-être livré mes kits. Ah ben il y a déjà un embu. Il y a déjà un embu donc je vais pas tarder plus longtemps. On va attaquer donc pompiste. Pas du tout et puis on va y aller. Ouais, vu qu'il y en a déjà un, je vais pas l'embêter. Ah ben 17, ça fait plaisir. Ouais, en plus nous accueillons de petit à petit des nouveaux arrivants. On va dire des arrivants qui restent en au moins en grande partie. Sinon ça peut arriver que. Certains voilà, décident de partir, voilà, ne sont pas satisfaits du serveur, ça peut être normal aussi. Hein. Dans tout serveur, même dans les plus connus, que ce soit Adastra ou Faily 5, voilà, y a toujours des départs aussi, donc il n'y a pas de problème. Tant que ça ne nuit pas au serveur lui-même, que d'arriver dans un serveur et puis de mettre le bazar juste pour dire je fous le bazar et je m'en vais. Bon, c'est pas ce que l'on cherche. Je pense qu'il doit être en route. Ouais. Bon. Par contre, j'avais oublié encore de mettre la scène. J'ai pu dire une fois sur trois, je pense à mettre la scène, mais là, j'ai plutôt oublié de mettre ce petit truc là. Bah écoute. Moi, c'est comme je t'ai dit, je sais plus quand. Si tu viens pour revenir sur le RP, moi je veux dire, je vais pas te déconseiller juste pour acheter un PC, juste pour ça. Mais c'est le fait que si c'est juste pour ça, voilà. Parce que par exemple, non, c'est pas du tout dans mon intention, mais loin de là. Franchement, j'adore ce serveur et j'essaie de rester le plus longtemps possible. Un jour peut-être je me dirais bah tiens le RP me tente plus je l'arrête quoi. Ça peut arriver. Ou même pour un nouveau peut-être voilà, il se dit non j'arriverai jamais à faire du RP et il a difficile à s'y mettre et à trouver quelque chose pour lui plaire. Voilà, ça serait un peu dommage quoi. C'est pour faire tourner GTA pour pouvoir ou non on veut dire ça. Au moins faire tourner GTA correctement et de prendre du plaisir aussi. À jouer avec un bon micro, parce qu'il vaut mieux pas avoir un micro qu'on entend comme dans une grotte. Quoi. Voilà, ça va être l'investissement. Et maintenant, moi je serais ravi de te voir dans du GTA RP. Ce serait marrant à voir. De voir comment tu pourrais garder ton sérieux en face de moi. Je vais te répondre après parce que là je suis en train de doubler et en même temps de virer le tourne à gauche. Je
Je vais juste me garer, je vais lire après ce que tu viens de mettre. En tout cas, on dirait que les docks, c'est un métier en pénurie, hein. Ça n'attire plus du tout des masses. Tout un temps, on change toujours un jour, j'y joue souvent, mais sur PS4. Cela risque d'être difficile de garder mon sérieux. Bah, surtout si je stream à ce moment-là, ça pourrait être une situation un peu délicate. Mais ouais, c'est vrai, j'avoue que... Maintenant, par exemple, si tu es ambulancier avec moi et que tu parles en radio HRP, bon, ça va. Donc voilà. Oh, ça fait un peu un petit mal de crâne, là, je sais pas. Donc j'ai fait transport, j'ai fait livraison, j'ai fait les docks, j'ai fait les pompiers. Bah, on va faire un tour, on va faire le sens des aiguilles d'une montre, donc on va dire notre entreprise. Il serait donc l'avocate. Ce qui est plus long, ce qui reste plus long au niveau trajet. Mais bon. Il n'y a pas d'intérêt pour l'instant, vous êtes toujours 17. Des fois ça arrive, hein. Comme vous voyez, on peut avoir 3-4 interventions d'un coup, et puis qu'après, pendant une heure, c'est le cas absolu. Donc voilà. Et je vois que vous êtes 7 spectateurs. Bah, écoutez, moi ça me fait énormément plaisir. J'espère que il y a toujours mes petits fidèles comme Dajon, comme Noirex, et j'espère qu'il y a de nouveau. Qui pourrait découvrir justement ce serveur, donc en tout cas merci d'être là et bienvenue sur mon stream et faites comme chez vous. Alors. Bon, par contre bien sûr je vous déconseille d'aller trop vite sur la route, parce que ici, bon, j'en profite parce que je sais bien que c'est des secteurs où en général il n'y a pas beaucoup de policiers, même j'ai pas trop envie de casser mon ambu, donc j'essaie de rouler en même temps prudemment. Par contre, je commence à avoir plus d'essence, donc je pense que je vais y passer avant. Ah non, quoique, non, il y a une station de service à côté à 3 km, donc je rase. Donc là il faut aller par là. Ici donc nous passons à l'ancienne garage mécanique. C'est le garage le plus connu dans tous les serveurs en général. C'est celui qui est un peu plus customisé, un peu plus nouvelle génération. Mais au moins chez nous on va dire on est dans un autre. Merde. Je pensais que c'était dans un autre atelier, voilà, un autre atelier mécano, peut-être un peu plus ancien, mais qui reste quand même. Il reste quand même convenable. Bon, on va mettre de l'essence. Si j'arrive à. Par contre c'est limite, hein. C'est limite, hein, ici. Ah ben dis donc, ça roule vraiment sur l'or, hein, pour certains. Par contre, on va mettre 30 litres. Et puis après, nous allons... qu'est-ce que j'ai? Ah, bah ton coffre, on va faire un peu de course. On va faire des courses. Même si j'ai déjà quoi que ce soit, enfin... J'ai déjà de la nourriture sur moi, mais bon. Vaut mieux en prendre le plus qu'on peut. Ah, par contre, ouais, j'ai plus de. Enfin, je commence à avoir moins de bandages. Donc, il m'en faudrait une bouteille d'eau et deux pains. Ou deux eaux et deux pains. Une, deux. Je vais déjà prendre une eau. Tac, tac, une eau. Voilà. Ça fait du bien ou ça passe? Ah ouais, j'étais vraiment garé.
un petit peu de travers et un peu trop vers le mur. Pas mal santé, bon, le la salope. Le chien. J'avais jamais remarqué cette pub. Comme quoi. Oui. Ah, par contre, ça se couvre, hein, soit tantôt, ça a du brouillard. À ne pas voir à 2 mètres. Bon, je dirais peut-être à 100 mètres. C'est pas trop épaisse, mais bon. Je pense que dans les campagnes, là, je verrai pas à 1 mètre. Bah, c'est vrai que. Ouh. Pardonnez-moi. Le cabinet de l'avocate vachement loin de toute activité se passe en ville. En même temps dans un cadre apaisant. À part d'autoroute. C'est un peu dommage qu'il y ait vraiment une autoroute juste à côté de son cabinet. Mais au moins elle a la vue bien exposée. À la plage quand il... tant qu'il n'y a pas de brouillard. Alors et... Ah dis donc, si c'est son véhicule... Ah pas mal hein. Directement une... C'est une tourisme... Non pas une tourisme ça, c'est une inferno. Infernus. Donc bien sûr, toc toc toc. Bon bah je pense qu'il n'y a personne. Ah regardez, vous voyez le paquebot, on le voit très peu. On voit juste le dessus du paquebot. Sinon il y a quand même une belle couche de brouillard. Donc personne. Donc il me reste comme entreprise les mécanos, de ceux qui sont marqués sur la carte. On va dire en tout cas fonctionnel, parce que je sais bien qu'elle est militaire. Je sais pas quand il sera opérationnel, mais allez, je vais vous montrer. Donc juste là, base militaire. Et là, de ce qu'on m'a un petit peu expliqué. Faut pas qu'il y ait un Donald Trump qui soit à la tête du gouvernement. Ça, le gouvernement se trouve juste là. Donc à côté, tout le monde. Et donc voilà. Bon, on va pas faire comme les connards, on va se mettre sur la bande de droite. Ah. On va tenter. Hein. C'est pas forcément bien. Oui, allô. McFly. Oui, bonjour monsieur Beckman. Dis-moi, c'est vous qui étiez commissariat pendant presque une demi-heure. Ah non, c'est mon collègue. Je suis passé en coup de vent, mais c'est pas moi qui garé au parking. Il est resté très longtemps commissariat, votre collègue, apparemment. Ah bon? Ah. Et... Ouais, presque une heure. Hein. Et vous soupçonnez quelque chose sur mon collègue? Ah oui, juste. Je sais pas, j'ai vu dans le journal que l'agent du SPD donnait une récompense pour ceux qui parleraient. Oh non. J'ai vu la camionnette tirer pour une heure au moins. Oh non, dis pas qu'il... Oh non. Dis pas qu'il a osé parler. Essayez de choper les infos, d'accord? Demandez-lui ce qu'il a été fait. Ouais, je vais essayer de le contacter au plus vite. Ah, vous le convoquez pour une raison, vous dites qu'il y a une promotion qui arrive, et puis éventuellement vous pochez le faux pour savoir le vrai. Ok, d'accord, je vais essayer d'y penser. La camionnette est restée très longtemps. Ouais, je vais essayer d'en toucher quelques mots. J'espère qu'il n'a pas été un peu par la patte du gain. Bah écoutez, si c'est le cas, vous savez quoi faire. C'est le cas, c'est ce qui va lui arriver. Ouais, vous savez quoi faire.
Bah rappelez-moi McFly, d'accord. Y'a pas de soucis, je vous fais ça au plus vite. Ouais, bon courage. Bah, également. Ah oui, si c'est le cas... On va lui faire la peau. S'il nous a dénoncé. Ou s'il a essayé de... Parce que l'argent, bon ok, pour moi l'argent, vous savez, c'est toujours le... Wow, bon, je suis atterré par l'argent, ça, il n'a pas dit, vous l'avez bien vu plusieurs fois sur que ce soit mes vidéos ou mes lives. Mais en aucun cas, je prendrai les risques de dénoncer Monsieur Bigman, Monsieur Wick ou autre personne, parce que là, ça aurait été ma peau qui aurait été en jeu. Et Monsieur McFly sait faire la part des choses quand même. Bah, si mon collègue nous a dénoncé, il risque de passer un sale quart d'heure. Bon, il n'y a pas de... Ah non, ça... Ah, pas mal. La voiture qui se referme tout seul. Ah bah dis donc, c'est qu'à 2000. La scène que vous allez faire n'est... Voilà, n'était pas prévu, mais je suis pas shooté. Merde, j'ai trompé de touche. Merde. Tac. J'ai trompé de touche. Kit, tu m'entends? Tu m'entends, Kit? Je t'ai vu fermer la portière. Fais-moi un coup de klaxon si tu m'entends. Pfff. Loser. Voilà, ça n'a pas forcément. Bon, alors on va faire genre. On va passer devant le comico. Bien sûr, Noirex, si t'es présent, vu que c'est toi et ta Shelby. Bien sûr, ce que tu entends ici, c'est HRP. Donc fais comme si de rien n'était. Donc tu continues à faire ton RP, bien entendu, si tu es présent. Maintenant, on va faire genre qu'on va passer devant. Et s'il est toujours présent, ben là, à ce moment-là, petit appel s'impose. Hein. Parce que j'ai bien peur que si j'essaie de rentrer dans le comico et s'il essaie de nous dénoncer, il m'arrêterait sur le champ, je serais en prison et là ça ne me plairait pas, donc je préfère rester sur mes gardes. Non, le fait que je pourrais être arrêté, c'est pas le problème, c'est juste que si ça concerne ma vie, je préfère pas prendre de risque. Si ça concerne mon boulot, je préfère, comme je dis, perdre mon boulot que perdre ma vie. Bon, c'est vrai que ça me ferait un énorme passement au cœur que si un jour, malheureusement, je perdrais mon emploi. On me destituerait. On destitue pas le rôle de PDG. Et j'avoue que ça fait quand même un beau bout de temps. Je vais me garer, je vais essayer de me sonner après. Bon, je vais me garer, je vais lire un message. Ouais, ouais. Allô, monsieur Shelby. Monsieur Shelby. Ouais. Je suis passé devant le comico, sur 15 minutes à peine, tout va bien? Ouais, parce que j'étais posé la plainte, c'est passé il y a 2 jours. La plainte il y a 2 jours concernant quoi? Monsieur Kenpachi. Ah ouais, d'accord, le fait qu'ils ont été exécutés, c'est ça? Ouais. D'accord.
Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre? Ah non, là j'attends juste pour avoir... Bah déjà parce que je suis en sécurité ici, clairement. Ouais, donc il ouais. n'y a pas d'appel ici, je suis en sécurité. Ouais. En plus de ça, bah, j'attends pour avoir le numéro de... Monsieur est sous-chef. Ouais, ok, d'accord. Oui, il y a un problème. D'accord. D'accord, bah ok, on se revoit plus tard donc, monsieur Shelby. Il n'y a pas de problème. Allez, je vous dis à plus tard. Au revoir. Monsieur Bickman. Ouais. Soi-disant, il est là-bas pour une plainte qu'il a déposée concernant le fait que Monsieur Kenpachi était mort devant ses yeux. Donc, il a porté plainte contre X, je suppose, ou peut-être contre une autre personne, concernant le fait qu'on a abattu Monsieur Kenpachi. Donc, moi, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas net dans tout ça. Donc, très bien. Je vais essayer de faire ma petite enquête de mon côté et essayer de regarder de votre côté aussi. Ouais, je vais regarder de mon côté, vous inquiétez pas. Parce que j'ai. Oui. J'ai deux pompistes qui m'ont dit tout à l'heure que Shelby voulait faire. Voulait aller voir le commissariat pour balancer les infos. Ah! Non, je pense qu'il faudrait vraiment. De surveiller de près. Il y a ma femme qui est avec le commandant et elle lui a raconté ce qui s'est passé hier soir en disant que. Vous étiez pris de tâche avec elle. Ah! Parce que là, il convoquait le commandant. Ah, d'accord. Bah écoutez, tenez-moi au courant. Ça va partir en coup de chaussure ce soir. Ouais, je pense que oui. Déjà. Je pense qu'il y a eu assez de morts, mais. Ouais, je vois. Bah écoutez. Je pense qu'on va revivre une troisième fois ce qui vient de se passer en 24 heures. Ouais, effectivement, ouais. Donc, tenez-moi au courant. Très bien, vous aussi. Je vous dis à plus tard. Oui, vous inquiétez pas, je vous dis à plus tard. Bon. La question qui pourrait se poser ce soir, est-ce qu'il y aura... une troisième personne décédée en 48 heures. Faites semblant de ne pas le savoir en tant que RP, mais je suis vraiment parti faire ceci. Et là, je vais me faire tuer par Monsieur Bigman, par votre faute, car il est dans le lot de l'assassinat de Monsieur Shelby, Kenpachi. Ben, on va dire, Noirex, quand il y a des... Comment dire ? Quand il y a des sujets à HRP à en parler, vaut mieux éviter sur un stream. Comme je dis, moi de toute façon, je sais que ça va rien changer à mon RP parce que moi, je regarde ce que j'ai devant moi, je ne tiens pas compte de ce qu'on me dit sur le chat. Mais en général, ça vaut mieux de dire hors jeu, quoi, vraiment même hors stream. Donc... maintenant, de ma faute... Moi je ne crains rien, moi donc moi je suis j'ai toujours été clean avec Monsieur Bigman, donc je l'ai sauvé plus d'une fois. Donc pour moi j'aurais aucun problème. On va retourner à l'hôpital. Et je pense qu'on n'a toujours pas de d'inter. Non. Parce qu'on m'a déjà dit aussi concernant les Shelby, donc Alban et Max Shelby qui voulaient essayer de me kidnapper en essayant d'aller boire un verre à tel ou tel endroit. Voilà, moi, ça passe au-dessus. Parce que bon, pour l'instant, dans mon RP actuel, je n'ai... Ouh, j'ai une baisse de FPS d'un coup là. Dans mon RP actuel, je n'ai pas le temps d'aller boire un verre ou quoi que ce soit parce que déjà je suis limité déjà au niveau personnel. Et pour l'instant, vu les scènes qu'il y a en ce moment, je pense que. Voilà. J'ai ce qu'il faut. Maintenant, s'il doit y avoir un.
Si on doit encore me kidnapper pour essayer de me voler telle ou telle chose, bah écoutez, tant que c'est fait dans les règles de l'art, moi j'accepte. Alors, retiré. Enfin, toujours pas livré, hein. Pourtant, j'en ai vu un livreur, donc... Voilà, je pose la question. Donc, on y va. Attends, il y a 3 kilos. 3 kilos et 5. Ouais, non, c'est pas... Ça sera trop. Bon, je vois HRP par an, mais je pense qu'on est toujours... toujours 2, hein, ouais. Toujours 2. Maintenant, bien sûr, Noirex... Tant que ça joue pas non plus sur ton rôle de RP. En général, quand on suit un stream et qu'on est dans le jeu, c'est pas forcément conseillé. Mais bon, tant que ton personnage n'est pas au courant de ce qui se passe avec moi, il n'y a aucun problème. Parce que ça s'appelle du. Si je dis pas de bêtises, c'est du streamback. Si on utilise des informations sur un stream par rapport à son RP. Bon, ce que je vais faire, vu que j'aime bien prendre l'hélico, je vais faire un petit tour d'hélico. Et je vais un peu espionner, voir ce qui se passe, en essayant d'être le plus discret possible. Par contre, je pense que des jumelles, ils en vendent pas des jumelles, je pense. J'aurais dû aller regarder s'ils vendaient des jumelles... C'est ça, ça pourrait m'intéresser, ça aurait pu m'intéresser par contre des jumelles. Bon, attendez. Le Comico se trouve juste là. Il faudrait un bâtiment juste ici. Ah. Ah oui, allô. Docteur, bonjour, vous avez 5 minutes? J'allais partir en hélico, mais c'est pourquoi? Simplement pour écouter vos versions des faits quant à l'enlèvement de Madame Pickman. Est-ce que j'ai le droit de venir en hélico? Vous pouvez venir comme vous voulez, sauf si vous avez une intervention. Bah justement, c'est si au cas où j'aurais une intervention pendant... Oui, pas de problème, vous pouvez vous poser sur le toit. Hein. Le problème, c'est que je pourrais pas y rentrer vu que c'est fermé. Non, moi, je pensais plutôt... Si, je vais vous ouvrir. Ah, si vous m'ouvrez, je vais vous ouvrir. Y a pas de problème. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. Ah, j'aime pas quand ça fonctionne pas. Par contre, le truc que je trouve de con. Bah, des cols. Je comprends pas pourquoi ça décolle sur le pavé numérique quand j'utilise la fonction fermer l'hélico. Et par contre, à chaque fois, j'ai une nouvelle clé. Ça, faudrait que je pose la question pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir. Ah, vous êtes arrivé trop vite. Bah écoutez, l'hôpital se trouve juste là-bas, donc... Bah si vous voulez, on peut faire ça ici, hein, ça me dérange pas. Ça ira peut-être plus vite pour vous. Bah non, Comme vous voulez. Bah non, on va faire ça dans votre bureau, pas exagérer non plus. Y'a pas de problème. Hein. Nous sommes pas des sauvages. Pourquoi vous ne... Vous avez bien raison, mais c'est en cas de besoin de vitesse. Oui. Pourquoi vous m'en avez pas parlé tout à l'heure? De quoi exactement? Bah du fait que Madame Hickman elle a été enlevée et que vous avez été aussi une victime de l'enlèvement. Oui, je sais bien, mais écoutez, je dois gérer un hôpital, je dois gérer au niveau administration, au niveau je de mes sais, employés. Mais c'est quand même grave. Oula, ce qui s'est passé. Oula. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Oula, vous prenez pour vous un jeune. Faire de même si vous avez le courage. Vous prenez pour un jeune. Je suis jeune. Oui, c'est ça, bien sûr. Je suis jeune, vous inquiétez pas. C'est pas moi qui a fait C'est pas moi qui a fait votre visite médicale, mais il faudrait que je regarde justement. Voir si vous êtes vraiment... Je suis jeune, ok. Je suis jeune. Yahoud.
Non, 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 non. Commencez pas avec votre accent allemand non, mais j'ai un chat dans la gorge. À base de belge. J'ai un chat dans la gorge. C'est pas. Mais non, mais j'avais. Ah, comprenez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Ouais, ok. Bon, est-ce que j'ai le droit de rester debout ou je dois m'asseoir? Vous faites comme vous voulez. Ah, je peux faire des pompes. Oh, je peux faire... Ah, d'accord, je fais des. Ça va être un peu compliqué pour vous de parler, mais oui. Non, il y a toujours moyen, il y a toujours moyen. Attendez. Je vais voir si. Attendez, je m'échauffe un peu. Allez, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq. Maintenez. Une, deux, trois, quatre, cinq. Maintenez. Une, deux, trois, quatre. Alors, cinq. Je vous écoute. Maintenez. Concernant Madame Pickman, vous avez été vous-même enlevé. Bon. J'ai été enlevé au moment où j'ai reçu une intervention à faire justement au cabinet de Madame Bickman. Je suis arrivé sur place, il y avait un homme avec un masque qui était juste devant elle. Bien sûr, Madame Bickman était allongée, bien sûr. Et un deuxième personnage était aussi. Une deuxième personne, en tout cas, était aussi masquée. Et qui attendait dans un coin de son bureau. Et ils m'ont directement tenu en joue et dit « Oui, réanimez là, et puis on s'en va, on va quelque part, etc. etc. » D'accord. Donc ils l'ont assommée une première fois, ça ne me l'a pas dit. Je suppose qu'elle était assommée parce qu'elle était allongée à terre. Donc... Maintenant, je vous dis une chose. Il a assommé une deuxième fois, donc. Oui, parce que j'ai reçu aussi un coup un peu plus tard dans la soirée en concernant cette kidnapping. Donc, il y a peut-être certaines informations que je vais sûrement oublier parce que bon, voilà, traumatisme. Oui, je comprends, oui. Donc voilà. Très bien. Donc, vous avez simplement été appelé pour la réanimer, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Okay. C'est pas ce qu'elle m'a dit, mais... Bah écoutez, moi, en général... Moi, elle m'a dit que vous avez été enlevés tous les deux. Ah oui, bah il fallait que je la réanime, et puis on a été embarqués tous les deux ailleurs, quoi. Oui, et je devais d'abord... Ah, donc vous avez été embarqués ailleurs avec elle. Oui, bah oui, bah, je pense que... D'accord. Je pense que vous avez compris ça, après. Donc, non, vous, je l'ai réanimé, donc, vous l'avez réanimé. Je l'ai réanimé. Et ensuite, vous avez ils m'ont été embarqué. Tenu en joue. On a pris le. Enfin, ils ont pris. Ils avaient leur propre véhicule. Donc, ils nous ont emmené dans leur véhicule. Et on est parti dans le nord. Dans une maison assez délabrée. Je vois, c'est près. Vous savez, vous pouvez me dire où c'est à peu près. Écoutez, il faisait quand même un temps de chien, comme je peux vous dire. Parce que moi j'ai une idée de l'endroit où ça peut être, mais je ne suis pas certain. Ah, ça. Je sais bien, il me semble c'est vraiment limite Sandy Shore, mais j'ai des doutes. Oui, si je vous montre une photo de l'endroit, vous pourrez me dire que si vous non, c'est cet endroit ou quoi. Je ne saurais pas vous dire, parce que justement, comme je vous ai dit, il a fait un temps de chien, je voyais très mal, en plus j'étais bâillonné, attaché. Vous pouvez toujours essayer, mais je vous donne pas forcément la certitude pure et simple que ce sera le bon endroit. D'accord, et bah écoutez, dès que je trouve l'endroit, je vous fais une photo et vous me dites. Y'a pas de soucis. C'est à proximité du bureau des shérifs, je pense. C'est possible. Ok, bah après, et après ça. Bah justement, après ça, je suis tombé dans le coma après avoir reçu un. Un coup, je sais pas de quel objet, si c'était un coup de crosse, un coup de lampe, je sais aucune, un coup de poing, je ne sais plus parce que je suis resté dans le coma au moins pendant 20 minutes. Donc ils vous ont laissé là-bas et ensuite ils sont partis. Ils sont partis, ils m'ont laissé un petit beeper parce qu'ils avaient pris mon téléphone, tout ce que j'avais sur moi, donc ils avaient laissé un petit beeper au cas où quand ils partiraient que je l'actionnerais, qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait. D'accord. Très bien. Donc, ça voudrait dire qu'ils vous ont appelé pour soigner Madame Bickman. Ensuite, ils vous ont déplacé pour vous assommer. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils vous ont pas assommé sur place. C'est quand même. Bah écoutez, je suis pas dans leur cerveau, donc ça.
Je serais pas du tout, mais pas Est-ce du que tout, vous ouais. avez entendu des détails, je sais pas, une discussion dans l'hélico... enfin, dans l'hélicoptère, qu'est-ce que je raconte? Pendant le trajet entre le bureau et cet endroit. Est-ce qu'ils vous auraient parlé? Est-ce qu'ils auraient... Ça je sais pas. vraiment, c'est ça a été des détails que je pense que j'ai oublié parce que c'est très flou. C'est très très flou. Le type de masque, vous pouvez me le dire, me le décrire? Ah, ça non plus, c'est. Pour moi, un masque se ressemble tous, donc ça reste Parce que Madame des. Bigman, elle a été capable de me décrire les masques. Donc Oui, mais je elle me n'a dis pas été que... assommée que par rapport à moi. Si, si, si. Oui, mais non, mais au tout début. Mais par la suite. Ouais, pas. Ouais, à la suite, Et non. par la suite. Moi, ça a été Si, si. vraiment à la fin. Quand ils vous ont déplacé. Quand ils vous ont déplacé, Monsieur Bigman et elle-même ont été retrouvés... ont été retrouvés Bah écoutez, inconscients. c'est que son leur traumatisme était moins important que le mien, au niveau séquelles. Très bien, très bien. Elle m'a aussi parlé de Monsieur Patulacci. Monsieur Patulacci, ah, votre employé. Non, ce n'est plus mon employé, il a déserté. Déserté, comment ça? Bah, il est déclaré, enfin, il est disparu, quoi. Il est déclaré disparu et Hein? puis Disparu? il m'a rendu son badge et puis oui, il a disparu. Trouvable. John Ah! Patrick qui est décédé. Lui, il est Ah ouais, mort, alors mais il était là, introuvable. vous m'apprenez une chose. Monsieur C'est paru dans le Patulacci. journal, docteur. Bah écoutez, je n'ai pas le Ah. temps, vous savez, je rentre à peine en ville, que j'ai déjà, comme j'ai dit, des papiers administratifs, je dois gérer mes employés. Quand je vois que tout à l'heure, Oui, je comprends. avec les On est dans la même interventions, situation. j'en pouvais plus, moi, j'en pouvais plus. Je comprends, je comprends. Faut recruter, docteur. Bah écoutez, j'ai laissé une annonce, il n'y a pas de vacants. J'y peux rien si les gens sont pas forcément intéressés par le domaine médical. Donc je fais ce que je peux. Écoutez, je comprends, j'ai mis une annonce. J'ai mis une annonce, j'ai eu quatre candidatures, dont une qui était d'un monsieur vide, enfin un monsieur qui l'a refaite. Il y en a une qui était vide, et du coup, sur les quatre, donc trois personnes, j'en ai pris une. Bah écoutez, au moins vous avez quand même eu 4 candidatures, moi j'en ai eu 0. En 2 jours. Bah moi, depuis 2 semaines. 2 semaines, j'ai reçu recruter 3 personnes et il y en a un qui a arrêté parce que ça ne lui plaisait pas. Ok. Voilà. Je comprends. Donc, Je voilà. comprends. Moi, si j'étais pas au LSPD, sachez que je viendrais chez vous, hein. Sans problème. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Ça vous pose un problème? Vous allez bien, docteur? Attendez, il faut que voilà, j'applaudis, franchement j'applaudis, c'était très bonne blague. J'apprécie Non, c'est votre pas une blague. blague. C'est pas une blague. Un jour, tôt ou tard, je prendrai ma retraite et je serai dans votre équipe. Bon ben je pense que je vais aller sur ces bêtises, Non, c'est pas des bêtises, je docteur, je vais vous y aller, assure. je vais y aller parce que oulala. Non, docteur, vous restez ici. On Attendez, attendez, a fini. attendez, attendez 2 secondes, passez-moi pour voir. Passez-moi. Pardon? Passez-moi. Faites une Faut que je vous pincette. pince. Oui, passez-moi. Ah non, si je vous pince, Non, je non, sais pas comment on fait au pour niveau du pincer. Moi, bras, au niveau du bras. Faites une pincette au niveau du bras. Non, mais non, mais non, Non, mais non, faites. docteur, parce que Non, 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 encore moi, mieux, j'ai encore mieux. je J'ai sais mettre encore que des mieux. patates. Non, Je sais non, mettre que non, des j'ai encore patates. mieux. J'ai encore mieux. Tasez-moi. Tasez-moi. Vraiment? Faites-moi un coup de taser. Parce que c'est pour voir si je suis bien Vraiment? dans la vraie vie. C'est pour voir si je suis vraiment dans. C'est vrai, je peux vous Oui, taser? allez-y. D'accord. Allez-y. Alors, je vais taser à un endroit qui ne fait pas trop mal. Ah non, 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 alors les Ah fesses bah alors. tiens. Les fesses. Attendez, non, non, Ça, attendez, les attendez, fesses. Les attendez. fesses. Non. Non, tournez-vous, Non. docteur. Non. Non. J'ai une petite vengeance à prendre, vous vous Non. souvenez? Non. Non. Alors j'en veux pas. C'est bon, Docteur. j'en veux pas. J'en veux pas. Restez ici. Oh Restez ici. Docteur McFly. Putain, vous allez trop vite. Docteur McFly, restez ici! C'est un ordre! Ah bah voilà! Et maintenant, dans les coucougnettes! putain! Ah merde! J'ai raté! Ça va, vous êtes réveillé, docteur? Vous allez bien? Je vous aurai un jour. Je vous aurai. Écoutez, vous avez dit à Ken Patty de me taser dans les couilles, donc écoutez, c'est ma franche chance. Par contre. Ah non, je disais bien. Oui. Bon, Oui. sur ce, Oui. je vous laisse, hein. Allez, on y va, docteur, on va soigner les gens.
C'était une boutade. Bah non, bah... Fallait pas avoir peur, hein. Non, non, je vous fais pas confiance, vous êtes bizarre, bah, parfois. Moi, j'aurais eu un parachute. Je vous l'aurais laissé dans l'hélico. Et puis, j'ai l'impression, docteur, que vous me cachez pas mal de choses, mais bon, c'est pas grave. Oh là là. Non, c'était avec la bague de tout à l'heure. C'est un mauvais conducteur, hein. Non, 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 non. Non, non, pas du tout, vous inquiétez pas. En tout cas, docteur, essayez de réfléchir, parce que je suis sûr que vous me cachez des choses. Alors, vous savez que faux témoignage, c'est... Pardon ? C'est quelque chose d'assez grave, hein. Pardon ? Oui, ouais, ouais. Pardon ? Je suis persuadé que si Madame Bickman arrive à se souvenir de certains détails, elle m'a quand même parlé de beaucoup de choses, je suis persuadé que si elle arrive à se souvenir de certaines choses, vous aussi, vous pourrez vous souvenir, docteur. Écoutez, droit dans les yeux. Quand vous serez dans ma situation, vous comprendrez. Écoutez, je suis dans votre situation. Non, non, je non, suis submergé non, de travail, non, docteur. Non, 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 non. Comment ça ? Je parle dans ma Comment situation que j'ai été dans le coma. Mais vraiment. Ah, vous savez que moi, j'ai été aussi à plusieurs reprises dans le coma, docteur. Oui, oui. Par des agresseurs comme les miens. Et je suis plus vieux que vous. Je suis plus. Bien sûr que si, bien sûr que si. J'ai déjà été assommé par monsieur. Par des personnes que je pense être vos ravisseurs. Ah bah non. Non, non, excusez-moi. Voilà, vous dites des bêtises. Bon, bah, au revoir et bonne soirée, monsieur Parker. Mais si c'est Agib et bel et bien de Patulacci, oui, j'ai déjà été dans le coma à cause de Patulacci. Bon, bah lui, c'est un pur raciste. Même cause des Alsaciens. Non, il est pas raciste. Il est raciste. Allez, au revoir, monsieur Lafritte. Pardon ? Au revoir, docteur. Écoutez, je pense qu'on va essayer d'espionner du mieux qu'on peut. C'est pas une bonne idée, un peu. Merde! Ah merde, je pourrais pas prendre l'hélico. Ah merde. Merdouille. Ah merdouille. Ah merdouille. Ah, je peux pas y aller! Je peux pas y aller! Je peux pas y aller! Comment je vais faire? Oh, non, pas de suicide! Et merde! Et merde! Je fais comment maintenant? Et merde. Parce que c'est où, hein? Ah putain de bordel de merde, je fais comment maintenant? Ah merde, il m'a pas vu. Bon. J'ai pas trop le choix. Ah! Oh putain. On va tenter. Doucement. Doucement. Non, je peux pas du tout. Oh merci, je peux. Ah oui, on y va. Je m'en fous, je me casse. Par contre, je vais prendre la tête. Autre. Vous avez démarré. Merci. Oh putain. Oh. Oh là là là. Je pense que le troisième personne qui va être mort RP, ça va être moi. C'est août. Donc, on va aller. On va mettre les coups. Mais j'ai eu un de ces stress de la mort. J'ai failli faire dans mon pantalon. Par contre, je vois pas la piste. Ah, un peu plus haut. Caméra de. Pardon.
Bon, on y va. J'y cours. Madame Bigman? Je sais pas si vous m'entendez par contre, hein. Oui, bonjour McFly. Ah, écoutez, j'ai cru que vous m'entendez pas. Bah, mes hommages, chère Madame Bigman. Comment ça va? Bah écoutez, assez tendu. Par rapport aux, aux dernières histoires, mais ça va. Malgré tout, ça va. Et vous, Madame Bigman? J'ai été voir Monsieur Park pour lui dire que j'ai été enlevée hier et je lui ai dit que vous étiez avec moi comme victime de Monsieur Patulati. Oui, oui. Et je lui ai dit que vous avez qu'il vous avait laissé dans un endroit glauque qui sentait vraiment très très mauvais. Oui. Et que moi, il m'avait amené ailleurs. Voilà, comme ça au moins, il a une version comme ça. Bah écoutez, justement, il m'a appelé il y a 5-10 minutes d'ici pour justement me poser la question concernant ce qui s'était passé avec vous et... Enfin, avec nous deux, en tout cas, qui ont été kidnappés. Donc moi, j'ai expliqué que je suis venu, donc il y avait une intervention à votre cabinet, que je vous ai réanimé, mais qu'on me tenait en joue, et qu'ils nous ont amené à un endroit... plus ou moins dans Sandy Shore, mais vu qu'il faisait mauvais, j'ai pas bien vu le paysage. Et qu'après, voilà, il nous a laissé. Enfin, on m'a laissé dans l'endroit parce qu'on m'a, mis dans le coma. Et qu'après, je me souvenais plus de plus grand chose. Comment ça, assassin? Non, je suis pas un assassin. C'est parfait, alors ça corrobora. Ouais, mais écoutez. Je pense qu'il a des soupçons. Il peut pas parce que moi je lui ai dit que quand je me suis réveillée après vous avoir laissé vous, j'ai eu très très mal à la nuque, ce qui a été le cas d'ailleurs, que mon mari était en sang et que Monsieur Patulati a été emmené dans une voiture avec un homme masqué et que j'ai reconnu Monsieur Patulati parce qu'il lui avait enlevé son masque. Ouais, mais c'est le fait qu'il m'a dit que oui, c'est bizarre, vous... De ce que vous me dites, ça ne correspond pas à ce que Madame Bigman m'a dit, tout ça, et il me soupçonne. Je dis, comment ça vous me soupçonnez? Il faut faire attention parce qu'il risque de comparer ou de prêcher le faux pour savoir le vrai. Bah écoutez, moi pour l'instant, celui que je soupçonne le plus, maintenant c'est dans l'affaire d'hier soir, c'est plutôt mon collègue. Parce qu'il est resté assez bien longtemps au commissariat, je demande s'il n'y est toujours pas. Et j'ai des soupçons. Ah oui, il y a eu une version, oui, de la part de votre collègue, mais c'est pour la mort de... Oui, mais bon... On ne connaît pas trop ce monsieur Shelby quand vous, après, quand vous réfléchissez un peu. Votre collègue, justement, vous avez confiance en lui ou pas du tout? J'ai confiance dans son... pour la formation que je lui ai donnée en tant qu'ambulancier, et maintenant en tant qu'homme homme honnête et sincère et qu'on a confiance en lui. Ça, par contre... Voilà. Je ne sais pas. De toute façon, il y aura certainement, il sera certainement remis dans le droit chemin. Oui, mais viendrait à... Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un Shelby. Et je pense que j'ai rencontré récemment un Shelby qui était dans la police. Je ne sais pas si ça correspond à la même famille, mais si c'est le cas, ça fait plus de soupçons parce que ça, ils peuvent se dire certaines choses entre frères. Donc voilà, moi. Moi, je dirais quand même qu'il faudrait peut-être le surveiller. Je pense aussi qu'il faut le surveiller, mais je crois qu'il s'en veut beaucoup d'avoir été un peu voir le commandant Park, de ce que j'ai pu comprendre. De toute façon, votre mari est au courant. Il va être assez... Ah bah justement, en parlant du loup, c'est votre mari, donc voilà. Désolé, je vais y répondre. En fait. Eh bien, allô, monsieur Bigman. Avec Fly. Oui. C'est occupé de votre employé. Comment ça? Il est encore en vie, hein, vous inquiétez pas. Il a bien été témoigné. Toute l'histoire d'hier? Non, pour cette aventure, mais qui est liée à celle d'hier.
Ah bah écoutez, en fait, je pense que Monsieur Park a... nous a parlé même à moi et à Madame Hickman concernant ça. Donc moi j'ai donné ma version des faits, ça correspond exactement à celle que votre femme a donnée. Mais je pense que Monsieur Park a des doutes quand même. Il m'a accusé de dire que j'ai des doutes. Enfin qu'il avait des doutes sur moi, donc je pense que il faudra sans doute aussi le surveiller, Monsieur Park. Je pense qu'il va essayer à tout prix de d'avoir le dernier mot de cette affaire. N'inquiétez pas. Ce qui concerne votre employé, il va changer son témoignage. Ah, parce qu'il avait mis un témoignage qui était contre vous. Il a donné mon nom. Bordel de merde, mais qu'il est con. Oh, mais qu'il est con. Oh, le con. Vous avez bien fait. Donc du coup, on a décidé de lui mettre un petit coup de pression seulement. Vous avez et bien fait. S'il ne changeait pas son témoignage, il perdrait la vie. Non, mais je vous comprends, vous avez très très bien fait. Bon. McFly, merci encore. Je vous dis à plus tard, et il n'y a pas de soucis, merci à vous. À plus tard. À plus tard. Oh, mais le con, le con, le con. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai engagé un con. Ah bon? Il avait dit le nom de votre mari, ce con. Monsieur Shelby. Aïe. Monsieur Shelby a dit le nom de votre mari à Monsieur Park. C'est incroyable. Non, mais incroyable. Justement, Monsieur Park avait déjà des soupçons concernant votre mari, Monsieur Wick, qui lui, il a donné vraiment la cerise sur le gâteau pour être encore plus sûr de ce qu'il a. De ses soupçons concernant votre mari. Aïe. Mais je pense que votre mari a fait le nécessaire, justement, concernant mon collègue, mais. Ah, faut que je lui dise deux mots, c'est pas possible quand même. Faut qu'il soit plus discret, plus malin surtout. Oui, et il est venu me voir votre collègue en disant qu'il voulait parler à mon mari, donc du coup, je pense que... Je vous répondrai après, vous inquiétez pas. Oui, tout à fait, donc... Déjà qu'on est très peu d'ambulanciers, donc j'ai pas envie qu'il y ait encore un au moins. C'est déjà pénible comme ça, quoi. Bah j'espère pas, enfin, ça serait dommage. Bah oui, tout à fait. Ah là 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 là. La vie est dure, je vous dis, la vie est dure. Ouais. J'espère plus qu'il y aura d'enlèvement, en tout cas pour ce soir, parce que là, ça ferait un peu beaucoup. Ouh, là, bah écoutez, peut-être jours, pas pour ce soir, mais je suis prêt à parier. Attendez, je vais regarder ce que j'ai sur moi. Attendez, donc 150 $ en main. Je peux vous parier $160 que ce sera pas terminé concernant les enlèvements. Je vous garantis. Ah, vous pensez? Je suis sûr et certain. Non mais là, faudrait que ça se calme un peu, vous voyez. Écoutez, quand vous voyez sur 3 semaines tout ce qui s'est passé, 2 morts, des enlèvements, des flics corrompus, je pense qu'il y avait quand même des flics corrompus. Moi-même, je deviens corrompu. Ah, le LSPD va mal, McFly, le LSPD va mal. Mais partout va mal, même les ambulanciers, ça va pas bien. Parce que... Ça va aller, McFly, ouais. Ça va aller. On se détend, allez, détendez-vous. Je suis tout seul à tout faire dans cette ville. J'en peux plus. J'essaie de faire le maximum pour les citoyens, mais j'en peux plus. Vous savez ce que j'ai besoin? Vous avez besoin d'une femme que je peux, comment dire, qu'elle peut me soutenir dans des moments comme ça, vous voyez. Ah, oui, je suis pas la bonne femme. Non, pour ça, hein. Non, je n'ai jamais, je ne vous ai jamais cité, mais je dis que j'espère un jour peut-être, pourquoi pas, justement, rencontrer une femme comme vous. Une qui vous ressemble, oui. Essayez peut-être une certaine Barbara. Apparemment, elle aurait exactement la même voix que moi. Alors, bah écoutez, je l'ai croisée plusieurs fois. Je crois ça, mais... Je l'ai croisée plusieurs fois, mais... Elle est assez, comment dire... assez discrète, vous voyez. Je sais pas. C'est difficile à expliquer, mais... Elle est gentille, hein, gentille. Y a pas de problème, tout ça, mais... je sais pas. Je vois pas un feeling plus que ça. Ça vous dérange? Bah, je pense que c'est plutôt. Sa face rondeste, quoi. Ah. Bah, bon, voilà. Ça vous convient pas? Non, je pense que. Bah, vous écoutez. Quoi comme style de femme, McFly?
J'ai peur de vous gêner en fait, vous voyez. Mais non, McFly. Bah écoutez, vous êtes quand même une belle femme, donc un de vos styles, voilà, c'est. Ah, une copie conforme, c'est ça? Non, pas forcément une copie conforme, mais une genre comme vous. Veuillez m'excuser, il faut que je réponde. Une genre comme vous? Il faut que je réponde, excusez-moi. Mais allô? Allô? Oui, allô? Monsieur Gris? Ouais, monsieur McFly, ça va bien, man? Ouais, carrément. Bah écoutez, oui, ça va. Vous désirez? Je suis avec une patiente, mais sinon, non, dites-moi. Bah, en fait, je voulais voir monsieur Shelby, mais j'arrive pas à rentrer en contact avec lui. Vous savez s'il est disponible? Bah écoutez, la dernière fois que je l'ai vu, il était au commissariat. Depuis ce moment-là, j'ai eu quelques soucis délicats. Heureusement, j'ai su négocier mon atterrissage et ici, je suis avec une patiente. Donc, je l'ai plus vu depuis. Ok, bon, bah, je vous dérange pas plus longtemps. Non, mais y a pas de souci, vous me dérangez pas du tout. Ok. Bon, bah, des bisous, ma femme. Ouais, la bise, monsieur Green. Veuillez m'excuser, c'était monsieur Green. Donc voilà, désolé, en tout cas désolé de vous avoir gêné, mais voilà. Non, il n'y a pas de souci. Je trouve ça flatteur, c'est gentil. Non, ben j'apprécie voilà. Le compliment, merci. Il n'y a pas de souci, Madame Bigman. Sur ce, je pense que je vais vous laisser à vos occupations. Oui, je vais vous laisser travailler aussi. Oui, pour l'instant c'est qu'un heureusement, donc oui également, Madame Bigman, et faites très attention à vous. Attention à vous, je vous remercie. Monsieur McFly. N'hésitez pas à appeler Monsieur Bilkman si vous avez besoin d'aide. Hein. Il n'y a pas de souci, je peux faire confiance à votre mari, vous inquiétez pas. Ah oui, tant que vous êtes clean avec, il n'y a pas de souci. Ah, vous inquiétez pas, je serai parfaitement clean avec Monsieur Bilkman. Par contre, si vous croisez Monsieur Wick, n'oubliez pas qu'il doit faire son petit changement de peau. Ah oui, je lui ferai rappeler si je le croise. Je vous remercie d'ailleurs. Bonne soirée. Également. Et faites attention à vous, Madame Bigman. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, je reviens à tous vos commentaires. Excusez-moi de ce retard. Donc. Il est excellent, mon petit John, ça comme d'hab. Je sais pas comment tu serais descendu de là. Mais j'ai eu de la chance d'être rentré. Mais normalement, dans la vraie vie, il y a un moyen de passer par derrière et monter le siège et tout ça, voilà. Et si j'ai vraiment eu de la chance. Et non, je suis pas un assassin, si c'est bien, mais je suis pas tout à fait. Non. On va dire, j'ai fait partie du complot, mais non. Je vous ai pas tué. J'ai peut-être, voilà, un peu de sang dans les mains, façon de parler, mais non, je vous ai pas tué. Bah dis donc. Pas tout à fait le moustachu, bah oui, bien sûr. Justice pour pas tout à fait, bah écoute, si ton collègue arrive à faire quelque chose, pourquoi pas. T'as vu, on t'a fait un beau avis de recherche avec un article sur les baleines. Oui, j'ai vu ça aussi vite fait, c'était pas mal. J'ai bien kiffé le clin d'œil. Ah bah oui. Bah oui, tout à fait. Par contre, j'ai reçu un message Discord. Je sais pas de qui. Oula, je sais pas. Par contre, j'ai oublié à chaque fois de mettre la scène. J'oublie tout le temps. Par contre, donc je vais me soigner. Je vais lire. Il te fait ce qu'on me dit par... Oula! Bonjour, une de vos ambulances est égarée devant les Speedy. On l'a déplacée derrière, voilà. Pas de soucis, je vous remercie. Monsieur Park. Pas sûr. On m'a déplacé à l'étage d'un bâtiment ou maison, je ne sais plus trop. Voilà. Par contre, un appel, je sais pas s'il l'a pris, je ne pense pas. Mon embu. Ah, je l'ai rangé. Merde. Je pense que je l'ai rangé. Donc, on va descendre. Merde. On met ça. Vu que ça a milliers de kilomètres, ça, c'est pas loin. Je vais prendre l'embu. Et par contre, tac, tac. On y va.
En tout cas, merci d'être présent, monsieur Expatulacci, sur mon stream, ça me fait plaisir. Et je me demande si c'est pas toi qui m'as fait le dernier follow de ma chaîne. En tout cas, si c'est le cas, merci d'avance. Et si c'est pas le cas, bah, sans te forcer, bien sûr, tu peux laisser un petit follow sur ma chaîne. Au moins, tu pourras suivre ce qui se passe concernant monsieur McFly et compagnie. Oula! Oh putain, la perte. Oula! Ah, ça a respawn par contre. Ah, c'est cool. Où est-ce qu'il est? Ah, bah c'est peut-être sûrement lui. Monsieur, vous m'entendez? Ah, vous passez de masse à oxygène. Voilà, commencez à respirer tout doucement. Pourtant que je vais essayer de vous relever, monsieur. Alors, dès que vous êtes prêt, je vais compter jusque 3. 1, 2, 3. Oh, c'est lourd. C'est lourd. Ouh là là, mais dites-moi, monsieur, vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Parce que je vois que, oula, il y a des corps partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. De ce que je me souviens, j'ai entendu un gros boom. Ah, et bah oui, j'ai vu, il y avait du véhicule qui explosait par là. J'ai dit, oula là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, ils sont énervés et après, plus aucun souvenir, quoi. Oh là 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 là. Oh là là, docteur, j'avais demandé à ce qu'on se voit pas dans des circonstances comme ça. Ah, dis donc, c'est. C'est monsieur Jung? Eh oui. Bah eh ben bah, oui, dites-moi. J'ai pas traîné. Ah oui, c'est. J'ai pas traîné. Hein. C'est pas de Paul, hein. Ah, vous avez la classe, mine de rien, en tenue civile. Par contre. Par contre, pour les chaussures. Oui. On aurait dit des sockets. Ah bah j'avais plus assez de sous là. Ah, ouais, c'est ça, il manque même les chaussettes. En tout cas, si c'est confortable. Ah oui. Ça va. Bon, pour l'instant, ça va, j'avais ça dans l'aéroport, mais. Non, mais bon, pour. Et là, je partais me faire une petite coupe. Ah, une petite coupe? Bah, j'ai pas pu. Bah, prendre une perruque, quoi. Oui, voilà, je dirais plutôt une perruque parce qu'une coupe. Avec ce qui vous pousse, reste, quoi. Oui, voilà. Faut prendre voilà. beaucoup de vitamines pour ça. Je pense. Oui, bah, j'en prends. Il commence à repousser, là, on voit pas encore bien, mais il commence à pousser. Oui, oui, attendez, je vais quand même voir. Oui, c'est minime, hein. Regardez. Ah, oui, ouf, ouais, bah. Oui. Ah, il faut mettre de l'engrais là-dessus. Pour l'instant, hein. C'est au millimètre, quoi. Ouais. Ah, oui, là, faut mettre de l'engrais. Ouais, bah, je fais ce que je peux. Vous mettez de la bouse de vache dessus, ça va pousser l'hélico presto. Par contre, oui, pour l'odeur, oui, par contre, oui. Si vous devez plaire pardon, à une jeune demoiselle, là, ça va être très compliqué. Oui, ouais, faut pas faire ça avant le rendez-vous, quoi. Exactement. Vaut mieux mettre la perruque, quoi. Oui, il faut qu'elle soit bien attachée, parce que vous verrez mal faire tomber votre perruque devant elle, ça risque de la faire foutre. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire Bah, du coup, si vous voulez, j'ai une bonne nouvelle, docteur. Ah bah, dites-moi. Regardez ça. Ah bah, dites-moi. Hop. Oh là là, bah, on se fait plaisir, dites-moi. Ah, c'est le dernier. C'est le dernier Samsung. Dernier modèle, hein. Dernier modèle. Ah, je comprends mieux pourquoi vous avez pas acheté des chaussettes. Ah ouais. Vous avez tout dépensé dans le téléphone. Mais je me suis dit que le téléphone dans cette ville pourrait être plus utile, quoi. Bah écoutez, oui, parce que si vous avez des entretiens, rendez-vous, voire même un appel urgent à donner, voilà, qu'on puisse me contacter. Vaut mieux avoir un téléphone que pas avoir de. Que pas avoir de chaussettes. Ouais, La bonne nuit, monsieur Dajon, et à la prochaine. C'est sûr. J'ai une question, docteur. Si jamais vous n'étiez pas là, vous voyez, l'unité oui, X m'aurait remporté. Oui. Est-ce que je gardais ce magnifique téléphone ou fallait que j'en rachète un? J'ai pas compris votre question. Est-ce que l'unité X garde mon téléphone ou il faut que j'en rachète un nouveau à chaque fois? Ah non, tant que vous le donnez à. Enfin, tant que vous le jetez pas ou que vous le donnez à quelqu'un d'autre, vous le garderez toujours sur vous. Ok, nickel. Ok, c'était une question pour vous. Comme et ça, je pense. Attendez, juste une bête question, je vais juste voir. Il y a un truc que j'ai un doute. Attendez. Parce que je pense pas qu'on puisse vraiment donner un téléphone. J'ai juste. Ça me paraît curieux, d'ailleurs. Ah oui, si ça ah si, quoique, on peut donner un téléphone et même le jeter. Donc, il vaut mieux faire attention. Ouais. À lorsque vous jetez un objet, si c'est pas la bonne. Ouais, vaut mieux pas que ça soit le téléphone parce qu'après. Il marche plus quoi s'il est jeté. Oui bah bon c'est le fait que vous devez en jeter un autre et vu le prix du dernier Samsung je pense que là ça sera plutôt plus de pantalon, plus de veste.
à ce moment-là. Ah oui, ça va vite descendre. Oui. Ah ouais, non, là, on va se trouver en scalper, et là, c'est sûr que là, pour trouver un job, voire même une femme, ça va être compliqué. À part être Google Dancer, ça va être compliqué. Ça peut servir. Oui, mais j'ai pas beau. Oh, pardon. Oh, oulala, j'ai pas beaucoup de talent de danse. Vous avez des excusez-moi. Attendez, il faut juste que je récupère mes lunettes. Oui. Par contre, évitez de marcher dessus. Hein. Tenez. Ah, tenez. Hop. Voilà. Ah, bah ça va bien mieux. En fait. Excusez-moi, j'ai eu un spasme. Oui, on a parlé de danseur pas, et... ça arrive souvent. J'essayais un pas de danse, mais. Ah! C'est pas mon meilleur sujet. Par contre, si vous essayez de me séduire, je suis pas de ce genre. Ah non, du tout, c'est pas mon genre non plus. Non, bah, j'ai rien contre ça. Hein, ou... Non, non plus, j'ai rien contre, sauf pour ceux qui essayent de desserrer quelque chose vers moi, non, ça. Sinon, s'ils ne comprennent pas, écoutez, qu'est-ce qu'il faut? Ah oui. Voilà. Ouais, vous savez vous défendre, quoi. Bah écoutez, en fait, dans mon métier, quand je vais dans le nord de la ville, donc très, 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 très au nord de la ville, c'est assez boisé. Donc il y a beaucoup de bêtes sauvages, où il vaut mieux. Ah, oui. D'accord, ouais, il faut pouvoir vous défendre si vous êtes agressé. Quoi. Tout à fait. Je crois que le problème des explosions venait de par là-bas, hein, si je dis pas de bêtises. Bah écoutez, regardez juste de ce côté-là. Vous voyez une camionnette retournée. Oui, c'est exact. Mais sur le parking aussi, du coup, là-bas. Ah bah voilà, donc vous avez... Oula là, voilà. Bah, c'est une usine à quoi, ouais, ça là, c'est... C'est une usine à... Je ne sais pas. À pop... Ah, c'est bah, une usine à popcorn. À popcorn, ça a peut-être fait tout péter et... Pouf, voilà. Ah ouais, c'est pour ça. Par contre... Aussi, ah, ouais, non, mais feu d'artifice, là, ça aurait été le bâtiment complet. Et là, je vois qu'elle est quand même encore debout, oui. Donc... par contre, justement, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous êtes blessé quelque part que je puisse vous soigner, monsieur Dunk? Écoutez, j'ai un peu mal à l'épaule, peut-être en tombant. À l'épaule gauche ou l'épaule droite, monsieur Dunk? Oui, celle-là, oui, épaule gauche. Épaule gauche, ah bah attendez, bougez pas, ouais. Je vais faire les soins nécessaires. C'est parti. Donc, je vais vous mettre une petite pommade, parce que je vois que c'est quand même un fameux hématome, ouais. Donc je vous mets la pommade, je mets un bandage. Voilà, okay. Pas trop serré bien sûr. Voilà. Ah, nickel. Ah oui. Là, non, c'est bon. Là c'est pas bien. Faites par contre ce geste pour voir s'il n'est pas trop serré. Ouh, ce geste aussi. Bon. Faites les deux, faites les deux pour être sûr. Hein. Voilà. Comme ça. C'est bon comme ça? Il est bien serré? Il tombe pas? Ça va là. Ouais. Et après ceci, bien sûr. Ok, je peux faire des petites rotations avec. Bon, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Ok. Et ceci? Est-ce que je peux lever comme ça? Voilà, et au cas où fait ceci, hein. Au cas où fait ceci pour voir. Et ceci pour voir. Hop. Ouais, non, ça a l'air bien, ça tient bien. Hein. Ah ouais, je vois bien. Hein. C'est pas mal, ouais. Ah, non, c'est bien. Ça tient bien. Vous voyez, vous faites cette patte danse devant une jeune femme. Franchement, ça peut forcer. Eh, c'est pas mal, oui. Ça tortille les fesses comme ça. Ah, ils aiment bien. Attendez. Il y a plusieurs choses hein, à faire une femme. Hein, mais... C'est vrai que ce patte danse est. Ouais, non, mais bon, vous avez quel âge sur ta discrétion? Ah, j'ai 25 ans. Hein. Ah, vous êtes pas loin de mon âge, donc... Non, j'allais dire j'allais me faire vieux, mais... On va dire, moi, à l'époque, c'est comme ça que j'avais dragué mon ex-femme. Ah oui, bah moi, j'ai eu des petits problèmes. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, pourquoi je suis arrivé dans cette ville, mais... J'essaye de créer toute une nouvelle vie, quoi. On va dire, oh, vous inquiétez pas, moi. Rien ne me dérange. Sinon, je vous le dirai direct. Bah ici, vous êtes quand même un bon petit gars. Si vous voulez en parler, vous pouvez, sinon, bah écoutez, ce sera la prochaine fois, ou voire à jamais. Oh, une fois quand vous aurez peut-être pas trop de travail, ou que... Bah, pour l'instant, ça va, mais ça peut arriver que d'un coup, il y ait plusieurs comas, et je sais pas où est mon collègue d'ailleurs, je l'ai plus vu depuis moins de demi-heure. Ouais. Ça m'inquiète. Faudrait que je lui sonne d'ailleurs. Bon, oula. Regardez. Oula, vous... C'est comme ça que je séduis les femmes, moi. Ah ouais, donc hop, votre troisième... Hop, ah ouais, pardon, je regarde... Hey. Oh, faut pas que je regarde... Non, j'ai avalé. Non mais, montrez pas ça devant moi, comme je dis, je suis pas de ce bord-là. Non, donc... mais je vous montrais, c'est les dieux qui m'ont donné quelque chose assez gros pour faire ça, quoi. Ah, d'accord, bah écoutez... Mais, c'est comme ça, on peut séduire... Ça séduit un certain type de femme, on va dire. Bah, on va dire surtout avec un gros... Vous voyez. Ouais, vu la taille, je pense que... Comme les nouvelles voitures, quoi. Oui. Les gros airbags, oui, les... Oui, tout à fait, quoi. Voilà, tout à fait. Comme les nouvelles voitures. Je comprends. Voilà, ouais. Ouais, je vois. C'est ça. Mais c'est pas exactement ce que je recherche, quand même. Mais...
Bah écoutez, ça me regarde pas, on va dire, c'est vos choix. Donc voilà. Ah oui, je comprends. Sur ce. Ah, je comprends. Sur ce, Est-ce que vous voulez le prendre mon numéro de téléphone cette fois-ci, du coup, maintenant que j'ai acheté un téléphone? Juste, vous savez que je devais vous le donner, donc je vais donner le mien et vous m'écrirez un message avec votre nom et je. Ok. Et je le donnerai juste après. Donc dès que vous êtes prêts, donc c'est Monsieur McFly. Hein. M-C-F-L-Y. Monsieur McFly. Ok, j'écoute. Donc 06 58 92 46 et 62. Donc je répète. 06 58 92 46 et 62. 62 le dernier, c'est ça? 62, c'est bien ça. Vous faites un message avec nom et prénom. Ah bah voilà. Comme ça, moi, je noterai exactement la lettre près votre numéro. Et en même temps, votre nom. Hop. Alors, je vérifie. C'est parfait, c'est bien vous. Je noterai juste après, quand j'aurai le temps. Nickel. Par contre, j'ai peut-être une question qui va être... comment dire, du domaine paramétrique. Oui. Je vais vous dire ça de suite. Veuillez juste patienter une petite seconde. Est-ce que dans votre paramètre graphisme, c'est un terme technique, hein. Oui. Est-ce que votre densité des moldus est au minimum? Alors attendez, bougez pas. Parce que ça peut arriver que ce genre de situation, donc les faits que les véhicules, on va dire, explosent un peu n'importe comment, peut être à cause de ça. Vous m'entendez là si je parle? Je vous entends. D'accord. Alors il faut que j'aille dans... Donc paramètres dans... graphisme. Bon, c'est très fort à paramètres graphisme. Et normalement, il y avait un endroit avec la densité des moldus. En 3D de PNJ. Alors, attendez, bougez pas. Parce que s'il est au maximum, ça peut arriver ce genre de situation, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord, oui, donc c'est au maximum. Il faut que je le mette au minimum. Au minimum. Au minimum syndical. Donc la densité des PNJ. Et bien sûr, vous enregistrez. Ok. Donc là, c'est enregistré. C'est parfait. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus fluide. Ça, effectivement. Ça sera beaucoup plus fluide et au moins, même au niveau circulation, ça serait moins embouteillé que prévu. Sinon, dans cette ville, vous êtes quelqu'un d'assez important en termes de, par exemple, sur le serveur Discord de la ville. Écoutez, je suis quand même le PDG de cette ville en tant que médecin maintenant. D'accord. En tant que service support modération fondation du site de la ville. Oui. Non, j'en fais pas partie. D'accord. Ok, donc je contacterai peut-être quelqu'un puisque là, je viens de recevoir un message de ma banque qui m'a dit que mon chômage était bien arrivé de 1 300 $. Est-ce que vous avez été chercher justement votre carte bancaire que je vous ai expliqué tout à l'heure? Oui, exactement. J'ai suivi votre conseil, j'ai été le chercher. Donc ça y est, j'ai pu retirer, ce qui m'a permis justement de me changer et d'avoir ces habits-là. Sur votre téléphone, vous avez un icône avec banque. Oui. Vous allez dessus. Vous allez voir votre compte et là, vous verrez combien vous avez en banque, tout simplement. Ah, exactement. Ah oui, pas mal. Et bien sûr, dès que vous fouillez dans vos poches, vous avez l'argent de ce que vous avez dans vos poches. Et que vous pouvez transférer au cas où, si vous en avez trop sur vous, en banque. Oui. Dans n'importe quelle banque. Ok, nickel. Voilà. Donc on peut suivre à chaque fois son compte sans y aller. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est parfait. Je vois que j'ai aussi directement les... La police, le shérif... C'est quoi la différence entre police et shérif En fait, le service shérif est en fait annulé normalement. En fait, il devrait pas exister, donc vous pouvez oublier. Ok. Ce service-là n'existe plus. D'accord, ok, pas de soucis. Bah, c'est sympa, il y a pas mal de choses sur le téléphone directement. Ok. Et vous inquiétez pas, je pense qu'il y aura sûrement à l'avenir d'autres évolutions concernant le téléphone, voire même autre chose, que ce soit des jobs nouveaux... peut-être au niveau même au niveau de vos poches, etc. Donc vous inquiétez pas. Assez ambitieuse. Ouais, tout à fait. C'est bien, j'aime beaucoup.
Ah ben, j'apprécie votre enthousiasme. Bon, vous pourrez peut-être faire quelque chose pour eux, vous pouvez rien pour eux. Non, pour eux malheureusement, je suis en l'incapacité de pouvoir les réanimer parce que vu que c'est du type moldu, je pense qu'ils vont dormir un bon bout de temps. Ouais. Bon, faudra s'éloigner un peu, laisser reprendre leurs esprits pour pas qu'ils nous attaquent quoi. Tout à fait. De toute façon, moi, s'ils essayent comme d'habitude, hein, j'ai ce qu'il faut. Allez hop, voilà, comme d'habitude. Bah, je les pointe à mon cou, voilà, comme ceci. Et hop, on a puis ils s'enfuient quoi. Voilà. Sauf s'ils ont une arme là. Là je serai un peu dans la merde. Ouais, là c'est vrai que va falloir en faire usage quoi. Oui, oui, je m'en doute. Y'a un problème là, Clay ? Non, justement, je fais connaissance avec un nouveau venu. Monsieur Junk. Ouais, bonjour. Donc je vous présente Monsieur Bigman. Enchanté, merci. Et Madame Bigman. Enchanté. Donc Madame Bigman qui est donc avocate de cette ville et Monsieur Bigman qui tient donc, si je dis pas de bêtises, PDG des docks. Ça n'a pas changé. Oui. Et Monsieur Spencer, bonjour Monsieur Spencer. Monsieur Reed. Ouais. Monsieur Spencer Reed qui est donc PDG des mécanos. Oui, pardon. Oui. Vous avez pas un petit bodage là? Parce que je suis un peu blessé. Ah bah oui, bien sûr. Dites-moi où vous êtes blessé. Qu'est-ce que je vous dois, docteur, pour... Non, moi, il me faut rien, vous inquiétez pas, c'est pris par l'assurance, enfin, c'est pris par, en tout cas par le gouvernement. Ah, ok. Dites-moi où exactement, monsieur, monsieur Reed ? Le bras droit. Attendez, je vais m'occuper de ça tout de suite. Voilà, donc, ouais, une petite éraflure, donc, je vais désinfecter tout ça, ça va faire un peu mal. Un petit pansement. Voilà. Je sais pas faire mon quart. Voilà, c'est bon. Voilà. Impeccable. Merci. Allez, y'a pas de soucis, monsieur Reed. Bon, sur ce, monsieur, parce que vu que madame est partie, je vous laisse. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à monsieur Junk, monsieur Reed et monsieur Bigman. Ah, ben de rien, ça, je fais mon métier, merci vous savez. Beaucoup. Et donc, faites attention à vous. Un merci ne coûte pas de pain. Ah, ben merci, monsieur Reed. Et. Ah, ben, mes hommages, madame Bigman. Attention à vous, messieurs. Également. Merci. Au revoir, bonne journée. Ah bah attendez, dites-moi, monsieur Junk, vous avez un véhicule ? Oui. Ah salut, hein ? Non, du tout. Bah écoutez, vous voulez que je vous ramène à un endroit en particulier ? Vous allez chez le coiffeur ? Bah je vais aller chez le coiffeur un petit coup, et je sais quelle perruque je veux, et après... Parfait, bah écoutez, je vous attends tant que c'est calme. Merci. Pouf. On va faire... Il faut qu'on montre quand même que... Bon, maintenant, il faut pas non plus que les ambulanciers soient appelés comme des taxis. Parce qu'il y a quand même des taxis. Vu qu'il est là... Alors, on va faire un petit geste. Tant qu'à faire, je vais regarder Discord. Pour le PP. Ah ouais, merde. Ah, il aurait pu avoir le PP. Celui qui était venu pour. Ouais, j'avais pas vu dans la glace, mais ma barbe a poussé un peu aussi. Hein. Ah bah ça aurait pu. Vous auriez pu mettre ça sur votre tête au lieu d'une perruque. bah écoutez, dites-moi l'endroit, vous mettez sur le GPS et je vous y emmène. Tant que c'est pas trop loin d'ailleurs, hein, s'il vous plaît. Eh bien, je voudrais bien mon lieu de travail, si ça vous dérange pas, s'il vous plaît. Bah écoutez, c'est pas si loin que ça, donc par contre, vu que je suis un peu dans le mauvais sens, faut choisir le tout. Oui, faut quand même respecter le code de la route. Hein. Ah bah oui, y'a pas d'urgence. On va dire sauf pour les feux. Les feux, on ralentit, et puis vous pouvez passer, mais en douceur. Les feux, oui, voilà, c'est un oh là là d'accord. Okay. Ah oui, c'est vrai qu'en en allant plus près... Ouais. Ah oui. C'est quand même une sacrée... Ah oui. Oula. On dirait qu'il y a eu une tornade. Oh là là. Oui, c'est je pense, oui. Et du coup, tout le monde s'énerve. Mais du coup, le problème doit être réglé avec... écoutez, on va s'éloigner et je pense que... Même à l'avenir, hein, je pense que ça ira beaucoup mieux pour vous. Oui, d'accord. Ah, parce que du coup, je rentrais paisiblement et puis d'un coup, pouf, ils sont tous mis à agresser. Ah bah oui, je peux vous comprendre. Vous savez, ils pensaient que c'était... Vous faisiez de la magie noire, alors... D'office... Ah oui, c'est sûr. Hein. Ouais, ils avaient peur. Ils étaient en gang, donc... Ah oui, ça, je comprends. Ouais.
Ah bah voilà votre collègue. Ah non, c'est de type Moldu aussi. C'est des Mexicains. Je sais pas pourquoi ils ont envoyé des Mexicains. D'accord, donc il y a des Mexicains ambulanciers et policiers aussi. En fait, quand on passe à certains endroits comme ici pour les ambulanciers, vous passez vers l'hôpital, enfin, les deux hôpitaux qu'il y a en ville, il y a des ambus moldus qui sortent avec des fois leurs sirènes. Donc, d'accord. Okay. Concernant les policiers, je ne saurais pas vous dire. Ok, d'accord. Ouais. À vous de découvrir. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, vous êtes livreur. Ah, bon. Oui, je suis livreur, oui, on s'était croisés justement là-bas. Et vous savez, je fais donc, tellement de choses que j'ai du mal des fois à retenir, donc... Oui, mon excuse. Vous avez beaucoup de choses à retenir. Mais par contre, l'entrée, c'était pas plutôt à droite, c'était ici. C'est ici, là. Ah oui, voilà, le GPS, suite. Des fois, il déconne. Voilà, je vais mettre... le GPS pour ici, il est pas bien... Ouais. Bah, c'est pour ici, il est un peu compliqué à mettre en place, ici. Oui, vous inquiétez pas. Donc, c'est une ruelle un peu... C'est un peu privé, vous savez. Oui, c'est pas forcément mentionné dans le GPS, je peux comprendre. Voilà, c'est ça, ouais. Ah ben voilà, merci beaucoup. Vous pouvez descendre un petit moment s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je glisse quelque chose dans vos poches. Ah, écoutez, si c'est un pourboire, vous pouvez le garder. Hein. Vous venez à peine d'arriver en ville. Bah non, si ça vient du cœur, bah écoutez, je vous donne la main. Hop. Ah oui, direct. Ah voilà. Bah vous êtes. Pour les frais de déplacement, une nouvelle fois pour m'emmener jusqu'ici, et pour... Oui, mais bon, écoutez, je veux pas non plus vous mettre en déficit, en plus que vous arrivez à peine en ville, hein, vous savez, donc... Oh non, vous savez, c'est le geste qui compte, je suis touché par votre geste, mais... Bon, voilà, si vous voulez, je peux vous le rendre, hein. Non, du tout, vraiment, regardez. En tout cas, je... Vous savez, moi, je suis issu d'une famille très pauvre et j'ai toujours appris à faire avec peu, donc... Ouais, mais justement, vous êtes en Amérique. L'Amérique, c'est justement pour montrer que le rêve américain existe. Donc, vous savez, chaque dollar récolté peut vous rapporter pour plus tard à quelque chose de bénéfique, donc moi, je pense que... C'est sûr. Vous êtes sûr que je ne veux pas vous le rendre? Sûr et certain, c'était bénéfique pour moi de faire une bonne action. Bah écoutez, vous savez ce que je vais faire. Vous savez, je suis quelqu'un de très généreux. Vous savez ce que je vais faire. Vos 200$, je vais les mettre en tant que donateur pour l'hôpital, pour les jeunes les enfants dévalorisés. Et voilà, comme ça au moins. C'est super. Vous aurez fait un petit geste. Nickel. En tout cas, j'apprécie. Bon, si vous voulez, pour tout vous dire, sur le continent, rien qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai aidé un SDF à acheter, acheter quelque chose. Un SDF encore. Ah, vous avez la main sur le cul. Quelqu'un de très. Ah oui. Ah, vraiment. C'est beau. J'ai l'arme à l'œil. Bon. Ah là, vous m'avez vu. Oh, je suis ému. Arrêtez. Oh, que c'est beau d'entendre ça. Voilà, le soleil se couche, donc. Oh oui, là. Oh, c'est beau. Pour une fois que j'entends une parole sensée dans cette ville. Ah, oh, ça me touche. Ah, et. Ah, je vous serre la main. Ah, je vous serre la main, monsieur. Ah, bah. Je vous serre la main. Ah. Bon, bah, sur cette phrase émue, je vais vous laisser, monsieur Jung. Merci. Continuez votre travail, c'est parfait. Également. Je vous souhaite la bonne soirée et faites attention à vous, monsieur Jung. Passez une bonne soirée, attention, parce qu'il fait nuit maintenant. Donc, ouais. Ah, par contre, moi, il fait jour, mais comme si. Comme si on était le matin. Donc, je pense qu'il y a un décalage horaire. Ah oui, on a un petit décalage horaire. Ouais, y a pas de soucis. Moi, le soleil se couche, les étoiles apparaissent là. Ah bah écoutez, moi c'est le matin, donc en tout cas. D'accord. Bonne journée alors pour vous. Une bonne nuit pour vous alors, donc faites attention à vous. Je vous en prie, merci. Et ben ça c'est patoche. Par contre, il me semble que j'ai reçu un message. Shelby. Ok, donc je me retrouve tout seul. Et on est donc... on est quand même 16, hein. Enfin, par contre, je vais pas tarder à y aller parce que... Vu que demain, je travaille. Demain, je travaille, donc on va pas tarder trop longtemps.
Je vais ranger mon embu. Voir s'il n'y aurait pas. Ah, par contre, oui, il a mis son embu. Ah, vu qu'il s'est fait. Il s'est fait kidnapper par Monsieur Bitman. Ah, ça m'embête parce qu'ils sont quand même encore 16. Hein. De toute façon, ça fait déjà presque 3 heures que je suis sur le stream, donc c'est déjà pas mal. J'ai eu des interventions. Fait visite médicale à monsieur Jacques Ghetto. J'ai du mal avec son nom, donc je vais l'appeler Edson. C'est Charles Ghetto, je pense. Voilà. Je vais aller voir les candidatures. Sur moi, j'ai quoi? Ah oui, c'est vrai que j'avais de l'argent. Oh, tant pis. J'irai une prochaine fois. Je vois les candidatures et je pense que je vais m'arrêter là. Sauf s'il y aurait une intervention qui se fait d'ici peu. Sinon, voyons voir. Les coffres. Écoutez, on va déposer donc les 200$ de monsieur Junk. Donc ce qui fait donc coffre. Voilà, c'est bon. Les employés, c'est toujours pareil. Les candidatures, il n'y en a pas. Et les post-it, il n'y en a pas. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et je vais après vous souhaiter la bonne soirée quand j'aurai quitté le service. Comme ça, c'est sûr que j'aurai plus d'appel. Et avant, je vais voir si on a livré mes medikits. Non, pas encore. Bah, faudrait bien qu'on les livre, hein, parce que ça diminue. Merde, j'ai pris le bouton. Voilà. C'est bon, j'ai quitté mon service. Je vais mettre mes lunettes. Bon, par contre, je vais avancer un peu. Voilà. Je vais mettre mes lunettes. Et on va vous souhaiter la bonne nuit. Donc. Bon, sur ce, donc, comme je vous ai dit, je vais quitter à partir de maintenant. Je tiens à remercier tous ceux qui sont passés sur le stream. Donc, ceux du chat, il y avait Dadjon, il y avait Deep Pitch, il y avait Monsieur Patou là-dessus, donc KZTV. Il y avait donc Noirex, qui est donc Ethan Shelby. Donc, Deep Pitch était Madame Bigman. Et le follow, donc merci au dernier follow, donc était Liz Linskit. Et donc voilà. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo, en tout cas, je tiens à remercier aussi ceux qui l'ont visionné. Sur ce, je vous souhaite la bonne soirée pour mes amis européens et la bonne journée pour mes amis canadiens, québécois et américains. Et surtout, faites attention à vous.